Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous revoici dans ce nouvel épisode de Pas de Cosmos. Du coup, dans ce nouvel épisode du du, du beach. Merci Salut messieurs les gars. Bienvenue. et ravi de vous retrouver euh, dans cette configuration euh, un peu particulière de de petits confinos de bah, l'espace. Ouais. Il paraît que Nicolas avait attrapé ouais. un rhume. Mais c'est toi qui c'est toi c'est toi qui étais malade, non pas, Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais. <laughs> <laughs> bah, salut les gars. En tout cas, ça fait plaisir de, de vous voir et de vous entendre euh, en ces temps un peu difficiles, c'est vrai. Et puis euh, même moi, là, j'ai passé une sale nuit, mais ça me fait marrer de vous voir et tout, donc c'est cool. <laughs> ça va mieux. Donc enfin, Nico Nicolas salut. sera peut-être un petit peu fatigué euh, sur cet épisode. Euh, ce qui promet. Non. Non, mais ça va. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, les gars De quoi on veut parler Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une série, une série télévisée, comme euh, diraient euh, nos parents. C'est une série qui s'appelle Cosmos. Alors, en français, je vais vous retrouver le titre. C'est la saison 1, donc c'est Cosmos, une odyssée à travers l'univers, qui est une série scientifique, euh, sortie, enfin scientifique-documentaire, on, on va dire sortie en 2014 euh, et qui est euh, présentée, qui est menée euh, par l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Donc, Neil de en VO, ça fait euh, Cosmos Space Time Odyssey. Exactement. Alors, Neil deGrasse Tyson, c'est un, un astrophysicien américain, c'est une série américaine, euh, qui est directeur du planétarium Hayden, qui est le, le planétarium du musée d'histoire naturelle euh, de New York. Voilà, donc c'est un monsieur qui a fait des recherches, qui dirige un planétarium. Euh, ce qui veut dire quand même que la, toute la série, il n'y a pas que lui, est très bien sourcée au niveau source scientifique, on va dire. Voilà, donc euh, cette série, elle nous décrit. Le cosmos, et le cosmos, c'est quoi C'est nous, quand on pense cosmos, on pense tous euh, aux étoiles, euh, au ciel et tout ça, mais le cosmos, en fait, on en fait partie aussi. Donc, le cosmos, c'est nous aussi, et, euh, et c'est la terre, et c'est euh, les animaux qui, euh, qui sont dans notre environnement. Donc, la série va vraiment euh, balayer pas mal de domaines, que ce soit l'astrophysique et. Euh, et la science des étoiles, mais aussi le, on va jusqu'au au, jusqu micro-organisme et ju jusqu'au au, au quantique, jusqu'à la, la physique quantique, et on fait des bons dans l'histoire, donc c'est quand même quelque chose qui est assez global, c'est le cosmos. quoi Oui, exactement, c'est ça, en fait, et c'est comme tu dis, l'étude le, 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 de l'infiniment grand, les planètes, les galaxies, l'univers, mais aussi l'infiniment petit, qui se retrouve dans chaque atome, en fait, parce qu'on va, on va vraiment faire un espèce de, de voyage. Euh, un Odyssée, en fait, comme une odyssée, comme il le dit. Euh, alors, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent que c'est une série qui. C'est une saison, euh, la première saison dont on va parler, qui est sortie en 2015. 2014 14, 14, ouais. 2014 et euh, qui comporte 13 épisodes et qui a une nouvelle saison qui est sortie il y a pas longtemps là je crois et qui est disponible sur amazon prime il me semble alors complètement il y a une saison qui est sortie alors je, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020 euh, je crois que c'est 2020 qui s'appelle cosmos possible worlds donc monde possible si on traduit littéralement et euh, donc qui vient compléter la première saison et parler d'autres thèmes euh, toujours sur le cosmos mais là plus sur les sur les mondes euh, les autres mondes les ce qu'on peut appeler les exoplanètes aussi. Euh, après moi je l'ai commencé, je l'ai pas encore terminé mais on aborde les choses dans le même sens et dans le même ordre. Voilà. Donc euh, ce qui fait que les deux saisons sont quand même assez similaires sur la structure. Donc si vous écoutez ce, cet épisode de podcast et que ça vous plaît et que la première saison vous plaît, la deuxième saison vous plaira et euh, inversement. <coughs> Et alors, autre chose à savoir aussi, c'est que c'est une, une saison qui est assez particulière. Donc, c'est une série de documentaires, du coup, euh, avec un narrateur principal dont a parlé, Corentin, qui s'appelle Neil deGrasse Tyson, qui est un vulgarisateur euh, scientifique euh, et d'astrophysique. Et, et, et euh, moi, j'ai trouvé la série hyper dense en information et hyper. Euh, qui part un peu dans tous les sens. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un point A et un point B. Enfin, il n'y a, a pas une narration très très linéaire, en fait, dans la série. Ce qui fait que. Les épisodes se suivent, euh, se ressemblent pas vraiment, les thématiques abordées sont très très différentes. Euh, ce qui fait que voilà, peut-être que pour nos auditeurs, le, le discours va être un petit peu, euh, euh, un petit peu déconstruit, un petit peu fouillé, mais c'est normal, c'est un peu à l'image de la série qui elle aussi part un peu dans tous les sens. T'es déjà en pas, train de justifier le fait qu'on qu euh, qu fasse n'importe quoi et qu'on se dise <laughs> de la merde. Non mais, c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est compl complètement décousu et, et au final, euh, bah, tu l'as dit, Corentin, c'est vrai que ça aborde, mais. Bah, le cosmos, donc tout, enfin l'univers et tout, et puis euh, l'infiniment plus petit. Euh. Et, euh, et justement, en fait, au tout début, moi, je m'attendais vraiment à mater un truc vraiment sur l'espace. Donc déjà, tu vois, j'ai été très vite perturbé, parce il y a des épisodes, euh, bah, par exemple, euh, sur les gènes, sur l'ADN, super intéressant. Hein. Mais donc du coup, euh, c'est surprenant, et vu que ça traite de tout, il y aura forcément des sujets qui vont te plaire plus ou moins, quoi. Euh, et moi, en l'occurrence, tu vois, il y, des... y a des épisodes euh, que j'ai pas du tout aimés et d'autres que j'ai adorés. Euh... Alors juste rapidement et euh, sur, ça, quoi. sur le format des épisodes, je vais le préciser, on est sur des épisodes assez longs quand même. Donc on est sur une série long format, il y a quelque chose comme 12 ou 13 épisodes. Et les épisodes font euh, en général entre 45, 45 minimum et 1 euh, heure. 45 minutes, 1 heure. Hein alors ouais. je dis peut-être des bêtises. En tout cas, c'est autour de 45-50 minutes euh, pour la plupart. Donc c'est quand même des épisodes assez longs et c'est comme tu le disais Nico, pas une série qu'on regarde, euh, euh, c'est toi qui disais ça Damien, pas une série qu'on regarde pour se vider l'esprit. Ah. Exactement, c'est vrai que les épisodes sont hyper, hyper denses, assez longs, ils sont assez exigeants je trouve, enfin, on en parlera aussi dans, dans, quand on parlera de nos ressentis, mais euh, ils sont très exigeants je trouve intellectuellement, enfin, moi par exemple je ne pouvais pas regarder ça en faisant autre chose et il fallait vraiment que je mobilise deux fois plus mon attention pour la pour, pour comprendre de quoi il s'agissait. Et sachant qu'en plus je l'ai regardé en VoST, euh, alors je sais pas si vous aviez euh, l'occasion d'avoir une VF, mais euh, mais je trouve que du coup c'est, euh, voilà, ça, ça parle vite, mmh. ça parle, ça parle technique, euh, et, et du coup il faut s'accrocher quoi. Alors pour le coup moi je l'ai regardé en Vo, euh, en Vo, et euh, heureusement que c'est, c'est vrai qu'heureusement que c'est Neil de Tyson qui qui l'aventure la, parce que il a quand même une bonne diction parce que sinon c'est vrai que les informations euh, <laughs> ça serait très très compliqué à passer parfois quand on passe sur de, de la physique quantique alors déjà que j'ai bien l'impression qu'une grande partie du monde scientifique euh, voit à peu près ce que c'est mais pas totalement alors nous euh, <laughs> c'est fini quoi <laughs> bah d'ailleurs ça peut peut-être être, être le, premier, euh, le premier petit thème qu'on qu aborde parce que la série repose quand même vraiment sur les épaules de, ce, de cet homme là, Neil deGrasse Tyson euh, qui, a, euh, voilà, qui est assez charismatique et qui porte vraiment la série euh, en entier euh, fait important il n'y a, y a pas du tout euh, d'autres euh, intervenants dans la série que lui. En fait, c'est ouais. une série euh, narrative, donc c'est lui qui explique. Il est quasiment de tous les plans, et quand il n'est pas du plan, il, il, on entend sa voix qui nous explique des choses. Donc en fait, il est omniprésent. Donc déjà, si vous avez du mal avec Neil deGrasse Tyson, euh, c'est peut-être un truc à proscrire <laughs> parce que voilà. Mais euh, personnellement, je trouve qu'il a pas mal de charisme. Il est assez clair, il est, euh, il est assez fluide. Euh, bon, je vous avoue que malgré tout, après 13 épisodes, j'ai fait un peu une overdose de, de, de lui, mais comme j'aurais fait une overdose de n'importe qui. Mais du coup, ça vient vraiment du format de la série qui, qui, qui est complètement... En fait, c'est vraiment ce gars qui vous prend la main et qui vous explique le cosmos à sa manière. Euh, donc, faut faut aimer, quoi. Moi, je sais que je suis habitué mmh. à, des, des, à des formats documentaires où il y a pas mal d'intervenants, où on varie un peu la parole, où on varie aussi le point de vue. Et du coup, ça m'a un tout petit peu gêné que ce soit autant... Euh, autant euh, pris en main par ce mec quoi. Voilà. Et d'ailleurs qu -ce, euh, ce qui pourrait être intéressant c'est juste rapidement au niveau euh, vu que c'est quand même il est omniprésent comme tu disais, toi qui es euh, comédien et qui est aussi comédien de doublage, qu'est-ce que tu penses de la, de la production sonore là-dedans parce qu'on a quand même des voix souvent de voix off ensuite il reprend en réel mais qui sont redoublées après enfin je sais pas est-ce que tu as un avis particulier ben, J'ai trouvé ça assez bien fait. Euh, la réalisation, on en parlera tout à l'heure, mais je la trouve, euh, je la trouve assez, assez léchée, très américaine dans le format, euh, mais on pourra euh, en reparler aussi tout à l'heure. Euh, donc, avec énormément d'effets spéciaux dans tous les sens, avec, euh, <laughs> avec une production vraiment bien léchée, euh, tout ça. Et avec ce personnage principal qui, du coup, est quasiment un personnage, en fait. Parce que je pense qu'il y a un jeu d'acteur aussi de la part de Neil deGrasse Tyson qui s'adresse frontalement à la caméra et tout, et qui navigue entre euh, on a l'impression qu'il est parti enfin que à tous les plans il est dans un endroit différent du globe quoi c'est assez impressionnant et qui nous et qui nous qui nous parle alors en termes de voix je trouve qu'il a une voix hyper je fermais les yeux des fois et j'entendais juste sa voix et je me disais qu'il a vraiment vraiment une, une hyper belle voix hyper grave hyper douce hyper tendre du coup ça enfin c'est assez agréable à, à écouter euh, mais mais clairement moi à la fin j'en pouvais plus en fait j'en <laughs> pouvais plus de j'en pouvais plus d'entendre seulement un seul mec pendant 45 minutes te raconter un truc euh, avec de temps en temps, on en parlera aussi, mais des petits passages en animation et des petites scènes rejouées en animation, un petit peu comme si c'était une reconstitution, mais euh, mais en dessin animé quoi. Et euh, mais franchement, euh, je trouvais que des fois, tu avais juste envie de, de lever la tête de l'eau, tu vois, et de t'endormir. Et d'autres de hein. <laughs> <Et>, aussi. <laughs> c'est ça. Et Après, vous en avez euh... pensez quoi vous de de cette, de ce, de ce, de ce, de cette narration là Bah justement, euh, c'est <coughs> vrai que c'est. Que, que lui, il est tout seul, mais euh, justement, euh, l'animation dont tu parles, j'ai du mal à parler en ayant les écouteurs, bref, euh, l'animation dont tu parles, c'est cool, ça, ça permet justement d'avoir. Euh, euh, vu que c'est quand même quelque chose d'assez comaque hein, comme, euh, comme contenu, c'est vrai que l'animation que j'ai trouvé très belle et très réussie, eh ben, ça aide à, à vraiment véhiculer l'histoire qu'il raconte à chaque fois. Et heureusement qu'il y a ça, parce que c'est vrai que 45 minutes de. D'un seul, euh, seul mec, c'est un peu relou. Ouais. Après, le truc aussi, c'est que euh, tu parlais de, du fait que ça soit très euh, effet spéciaux et tout. Il y a un moment donné, je me suis vraiment tapé une barre parce que euh, tu sais, il est dans son vaisseau spatial. là. D'ailleurs, on, on kiffe ou on n'aime pas. Hein, c'est très mince le vaisseau de l'imagination. Le, le vaisseau ouais, de l'imagination. Très très, très très drôle. Sauf qu'à un moment donné, donc le, dans le vaisseau de l'animation, il y a rien. Il y a juste un siège et. <laughs> Et Monsieur Tyson. Et, euh, et donc avec une baie vitrée tout le long du, du, du vaisseau, quoi, pour justement, bah, aujourd'hui, je vais vous montrer ça, 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 ça. Donc, euh, faut, faut rentrer dans le délire. Mais à un moment, je ne sais plus euh, ce qu'il y avait derrière la baie vitrée, mais c'était hyper rouge. Et en fait, avec le fauteuil, ça faisait vraiment euh, l'empereur Palpatine de Star Wars et tout. C'était <laughs> superbe. <quoi. rire> Ah, je n'avais okay. pas marqué, effectivement. Mais c'est vrai que le, le vaisseau est assez vide. Ce, ce truc-là, moi, c'est l'un des... Alors, je spoil, mon avis. Moi, j'aime bien la série, je vous l'ai proposée, je la trouve intéressante sur plein de points. Bien sûr, il y a des points qui sont moins, un... enfin, moins pertinents, parfois, je trouve, en tout cas, un peu long. Euh, mais j'aimais bien la série. L'un des points qui, qui m'a un peu euh, dérangé au tout début quand je l'ai découvert, moi, découverte moi, c'est ce vaisseau l'imagination que j'ai trouvé pas très esthétique déjà bon, au premier abord on dirait est-ce une... que, est que les gars est-ce que est-ce qu peut en parler un peu de la forme de ce vaisseau allons-y moi je trouve que c'est un et suppositoire. est-ce que ah, ok d'accord alors chacun son truc est-ce qu'on peut le décrire déjà donc il a une, il a une forme un peu euh, très allongée et donc il peut il peut enfin voilà c'est comme un espèce de, de, de une amande une amande exactement une amande et au, au centre en haut il y a un, une espèce de boule qui du coup est, voilà euh, et là où se tient euh, Nil de Grace Tyson, alors toi, tu y, euh, y as vu quoi du coup un, un gros suppositoire spatial. Un gros suppositoire. Moi, j'avoue, j'y ai vu un clitoris, tu vois, ah, sans aussi... les, ah, sans oui, les ça deux branches, bien. tu vois, ça sur les côtés. Bien. Et avec le petit capuchon et tout. Mais euh, c'est vrai que qu'il y a un côté très mystique, en fait, dans, dans, dans cette série, quoi. Il y a un côté où le mec nous dit Alors, venez avec moi et vous partirez dans le vaisseau de l'imagination à travers le temps. Et l'espace. Tu vois, il y a un truc... Euh, et... et donc du coup, t'es là... Oh, ok, le mec a fumé un énorme spliff. <rire> <rire> et il s'est dit, on va faire une série sur le cosmos. <laughs> mais mais en fait, finalement, ça marche parce que c'est vrai que le projet, c'est de nous faire voyager dans le temps, dans l'espace. Et, euh, et en fait, son vaisseau, il est vachement pratique, quoi. Parce qu'il peut, il peut, <laughs> va super vite. Il peut rentrer dans une goutte d'eau, mais il peut aller dans les anneaux de Saturne aussi. Enfin, c'est quand même vachement... Ah, euh, ça justifie une tout. super invention, quoi. C'est parfait. Ah, bah, ouais, ouais. Et en même temps, pour le coup, c'est vrai que son projet, c'est aussi de nous, de nous ouvrir complètement l'esprit et de, et de, d'ouvrir le champ des possibles. Et en fait, avec ce truc-là, ça marche à fond, quoi. Mais bon, il faut rentrer dans le délire. Mais euh, du coup, gardez ça en tête, hein, ce vaisseau, parce que euh, je vous poserai une question, mais plutôt tout à l'heure. En revanche, moi, le vaisseau spatial, je le trouve, enfin, il n'est pas du tout cosy. T'as as, qu'un fauteuil, c'est que des baies vitrées. Ah, c'est pas faux. Le <laughs> mec, je suis pas à l'aise. Elles sont où les <laughs> toilettes déjà On en parle pas Mais oui. <laughs> moi, je suis chaud pour aller dans l'espace, mais mec, apporte-moi un truc quand même, tu vois, même un lit aussi, quoi. Et, et pour euh... le coup, c'est vrai que quand il s'approche des étoiles et des trucs comme ça, moi, je me je suis, je suis fait la, la réflexion il y a des plans, alors qui sont euh, au niveau effet spéciaux magnifique, où euh, le, le vaisseau se met à l'horizontale. Donc, normalement, le vaisseau, il est comme ça, avec la boule là, là, et euh, le vaisseau se met comme ça et donc à l'horizontale voilà, donc je, je, je décris c'est la verticale voilà <laughs> comme une amende à la verticale et il se met à l'horizontale la boule vers le bas et il surplombe un, une étoile je crois que c'est le soleil je suis pas sûr mais en tout cas il surplombe une étoile mais à euh, je sais pas à l'échelle c'est peut-être à comme, comme nous euh, comme on pourrait voir euh, la, la lune euh, chez nous euh, voilà donc il est vraiment très très proche étant donné que le, le soleil est énorme ça fait que le soleil prend toute la place sous ce hublot je me dis, mais comment est-ce qu'il crame pas avec son vaisseau en métal euh, brillant qui reflète toute la lumière Mais justement, tu vois, c'est ça aussi, le, le trip, c'est que c'est le vaisseau de l'imagination. Donc c'est le vaisseau de, t'inquiète si ça ne marche pas, Tant pose pis. pas la question, tu vois. On rentre dans les, dans les rivières c est, c est de le méthane, de... c'est pas un souci. C'est le vaisseau de, laisse-moi tranquille là, vas-y. Euh, c'est la, la, la magie, c'est la magie. C'est la magie, c'est la magie, tu vois. Et viens à bord de mon vaisseau clito-supo et on va <laughs> découvrir l'univers, quoi. Ouais, ouais. c'est exactement ça. <laughs> De, donc, Nico, toi, tu le trouves pas assez cosy. Tu aurais rajouté quoi, par exemple Ah, mais moi, je refais tout, hein. je... <rire> <rire> Putain, Nico, c'est déco, en fait. <laughs> Valérie Tamido. Non, mais le cosmos, oui, mais veux... la déco d'abord. <laughs> le marouflage, d'abord. Non, mais là, tu vois, après, bon... C'est cohérent parce que c'est le vaisseau de l'imaginaire, euh, ou de l'imagination, je sais plus exactement, mais du coup vu qu'il y a rien dedans, bah, tu, tu te projettes ce que tu veux quoi. Mais ouais, j ai, j ai, déjà la forme je n'ai pas trouvé canon. <laughs> L'intérieur, j'achète pas moi, <laughs> pas dans son truc. <laughs> mais euh, mais mais le délire est rigolo, tu vois, genre euh, genre c'est sympa. Et je, bon, en fait, je vais vous poser la question maintenant parce que c'est cohérent. En gros, euh, souvent, ça m'arrivait. Euh, Enfin, depuis que je suis petit, je, je kiffe trop regarder les étoiles et tout. J'y connais pas grand-chose, hein, je, je le dis, mais j'adore. <laughs> j'adore l'imaginaire, j'adore le cosmos et tout, c'est énorme. Et euh, de temps en temps, je posais des questions à, à des amis avec qui je me sens proche, et, et donc euh, je leur demandais. Et je vous pose la question du coup est-ce que vous êtes prêt euh, à accepter un ticket pour l'espace dans un vaisseau euh, spatial de votre choix, hein. vous pouvez le si vous voulez. Parce que moi, par exemple, en fait, je me suis posé cette question parce que quand j'étais petit, je jouais à un jeu qui s'appelait La famille cosmique. Et du coup, bah, ils vivent dans une fusée. Mais tu vois, c'est aménagé en mode maison classique, quoi. Donc, il euh, y en a qui ont leur chambre et tout. Et du coup, ça m'a trop donné euh, des idées. Et je me dis, voilà, euh, imagine ton vaisseau, c'est celui que tu veux. Tu vois, il peut être cosy, tu peux installer un canapé, tu as une baie vitrée. Et on te dit, euh, là, on s'en fout de voyager à la vitesse de la lumière ou quoi. Mais on te dit, tu as un ticket pour l'espace, tu le prends, tu vas voir tout ce qu'il y a dans l'espace. Vous ne posez pas la question de la longévité de, de votre corps et puis euh, euh, des, 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 comment des phénomènes. Euh, mais. Vous reviendrez plus jamais sur Terre, mais vous verrez tout. Est dans quelles conditions vous dites oui Est-ce que vous prenez quelqu'un avec vous Ou Est-ce que je ne sais pas mmh, vous prenez Ok, ok. Un... Damien, vas-y, mmh. je t'en prie. Eh ben, écoute, euh, si j'ai bien compris, en gros, c'est un, un aller simple pour l'espace, quoi. C'est ça. Tu reviens ouais. jamais sur Terre, euh, mais tu t as le droit de te balader partout et tout sans aucune restriction, et, et tu survis dans tous les cas parce que euh, voilà quoi. Ouais. mais Alors, la question, c'est est-ce que tu as le droit de débarquer ailleurs que sur la Terre tu vois, ou est-ce euh... que t'es condamné à rester toute ah. ta vie dans le vaisseau T'es condamné à rester... Je pense que tu peux te balader... C'est vrai que j'adapte la question, hein, mais... Euh... <laughs> je pense que... Ok, maintenant, tu imaginez peux... ça, pitch de série. Ouais, c'est ça. Non, parce que tu vois, moi, en gros, tu tu... ouais. la question c'était dans quelles conditions vous dites oui. Et ben je te dis, je dis oui si jamais j'ai le droit de m'établir dans un monde stylé que je trouve au fil de mes pérégrinations, quoi. Tu vois je quitte la Terre, ok, d'accord, je veux bien faire ce, ce, ce sacrifice-là et tout, mais par contre, si je trouve un, une putain de civilisation de ouf, ou alors un monde paradisiaque où je peux vivre tranquille et tout, et que j'ai envie de m'établir là, et ben euh, là, je te dis oui. Par contre, si je suis obligé de rester dans mon vaisseau, euh, même s'il est super cosy, euh, <laughs> tu vois ah, ah, même okay, s'il si, okay. y a une baie vitrée et un canapé 4 <laughs> étoiles En vrai Avec Hanouna à la, la télé, télé bon. oh, non. <laughs> non non non, non euh, après vous adaptez quoi Touche pas à mon vaisseau <rire> Ça... <rire> euh, Moi j'accepte dans la condition Enfin je pense que le... La condition pour que j'accepte c'est pas Alors oui j'aimerais bien en débarquer c'est une bonne idée Mais j'accepte Quand j'ai genre euh... 95 piches tu vois Et ouais. euh... Et voilà. Et j'accepte à ce moment-là en mode euh, bon bah maintenant je vais voir tout ce que je veux voir et et dans, de plus dans. J'ai fait le tour de ce que j'avais à faire ici. Quoi. Exactement. Plus dans, dans cette idée de euh, voir, être être conscient de, de tout ce qui peut se passer ailleurs, en ayant aussi vécu tout ce qui peut se passer ici quoi. Le fait de pas mmh. de, de pas avoir de regrets, de laisser des choses derrière, d'avoir fait ce que tu peux faire et ensuite de d'avoir une conscience et devenir une espèce de de, ouais, de conscience de, de, du cosmos un truc qui fait partie du cosmos qui s'abandonne dedans et qui n'est plus forcément un humain à part entière sur terre mais qui est plus une, une mémoire quoi. à légumes <laughs> pardon ok donc tu deviens ouais. une espèce d'être de c'est comme Daniel dans Stargate quoi ouais, exactement. Deviens Moi, je... De, de... je deviens okay. un dieu en fait <laughs> ok ok bah, c'est humble <laughs> c'est cool <laughs> C'est bien parce que ta question, Nico, elle fait, elle fait, se révéler les vraies personnalités des gens. Et toi, <laughs> et toi, Nico, Nico. Oui. Euh, putain, je sais pas du tout. Je pense putain, que tu. mec pose la question <rire> <rire> En fait, j'adorerais voir l'univers, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que je me sentirais un peu seul. Et euh... donc, je sais pas. Mais en même temps, tu vois, j'ai pas envie de prendre quelqu'un avec moi parce que supporter h 24, quelqu'un. Euh... Coincé dans l'espace. Déjà non, se supporter, euh... supporter soi-même tout seul, pas ouais. évident. Hein. Mais tu vois, enfin, sauf, sauf euh... qu'on est un dieu évidemment, Corentin. <laughs> mais les conditions, ça serait genre euh, amener des bouquins. Euh... Ah bah il va se falloir un paquet de bouquins, putain. <laughs> de la musique et tout. Et euh... mais peut-être plutôt, je, je reviens plus jamais sur Terre parce que c'est ça le deal. En revanche, je peux laisser des messages. Mm. Ah, ok, d'accord. Ok, tu lâches et un petit vocal comme ça sur WhatsApp. Euh... <laughs> Salut une les fois, gros. Une fois euh... l'année quoi. Je suis sur Vénus. Ah bah je sais pas si tu veux aller sur Vénus parce que ça pue Vénus. Hein. Il fait qu'à plus de 400 degrés, euh, c'est pas ouf. C'est clair. <laughs> c'est pas et ouf. Il y a des quoi. gaz et tout, c'est l'enfer. Bah justement, il transition peut-être qu'on peut parler des, des sujets euh, un peu scientifiques abordés après euh, 22 <laughs> minutes de podcast. <laughs> vu vu qu'on a bien déconné, hein. Bah et les gens nous ont ça. suivis jusqu'ici Peut-être qu'on peut parler du fond un peu de ce qui se dit dans cette série ah oui, Alors Nico, qu'est-ce qui se dit <laughs> et bah, euh, Moi je veux dire un truc aussi, c'est que bah, comme je disais, euh, j'étais vachement intéressé par l'espace euh, avant, donc quand j'étais plus jeune, euh, plus petit et tout, j'ai regardé euh, beaucoup de documentaires, j'ai euh, lu beaucoup de livres et tout. Et en fait je trouve c'est super chouette de s'être remis dedans, euh, parce que finalement euh, bah, le savoir il évolue. Donc il y a des choses euh, qui ont changé et que... En gros, c'est chouette pour euh, travailler ses bases, enfin revoir ses bases, et en même temps euh, approfondir certains sujets. Et euh, donc moi j'ai fait un bac S et j'adorais euh, la SVT dedans, tu vois, euh, genre les gènes et tout. Et donc l'épisode sur euh, euh, les gènes euh, régressifs, tout ça, je l'ai trouvé super intéressant. Ça m'a vraiment fait plaisir de, de le revoir. Mais je pense que là, c'était que des. C'était juste revoir euh, mes bases. Mais après, il y a d'autres trucs où c'était euh, c'était compliqué, hein, c'était euh, à comprendre. <laughs> Mais tu et par contre, ouais. Alors ça, c'est quelque chose aussi euh, qui je restais un petit peu interloqué. Il euh... y a des choses. Dans quelle mesure tout est vrai Parce que il y a des. Euh... J'ai noté le télescope cosmique dans l'épisode 2 C'est. Bah, si ouais, On explique peut-être. Là, du coup, j'ai pas le ouais. contexte. Ouais, alors du coup, euh, bon, ça fait un moment que j'ai vu. Je vais essayer de vous le redire. En gros, euh, donc euh, Monsieur Tyson nous explique euh, que ça sera possible. Enfin, euh, on connaît l'univers parce que comme c'est eh, euh, chaud, alors, on connaît <laughs> l'univers parce qu'il nous envoie de la lumière la... qui nous permet de voilà, voyager dans on... la lumière. Plus est... elle est vieille, plus on voyage loin dans l'espace et dans le temps. Voilà. Sauf que, bah, forcément, si vu que l'univers est infini a priori. Il euh, y a des choses dont on n'a pas encore reçu la lumière. Ouais. Donc on ne on sait pas ce qu'il y a après. Euh, mais il explique euh, que, justement, il y a un télescope cosmique. Et l'idée, en fait, ce serait un télescope qui est, qui est en. en, en euh, ah, comme un satellite, si tu veux, autour ouais, en, de la Terre. Oui, en orbite. En orbite, merci. Euh, qui permettrait, justement, de, de voir beaucoup plus loin. Alors, ça, ça existe. Est... Il est plus en service. Il vient de, de, de terminer son service, il me semble. Mais c'est le télescope Hubble, qui est un télescope spatial qui est, est en orbite. Est Hubble qui est... Qui, qui, qui est comme ça Ouais, Hubble, c'est un. Alors, je ne vais pas te dire de conneries au niveau des dates, mais Hubble, c'est un télescope spatial qui est en service pendant euh, plusieurs dizaines d'années, il me semble. Euh, voilà, lancement en 90, donc il y a 30 ans. Et qui a pris, c'est lui qui a pris toutes les photos. Des galaxies, des premières galaxies aussi, de tout, toutes les galaxies lointaines, enfin, toutes les photos ultra connues de l'espace qu'on voit et on fait, waouh, ouais, il y a genre des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles à l'intérieur, tout ça, ça c'est Hubble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Hubble, il fait des, des orbites et à chaque fois qu'il arrive sur une partie spécifique de son orbite, quand euh, il est programmé par, euh, par l'équipe, il prend une partie du ciel qui est très très petite et il l'expose comme une photo, il expose cette partie du ciel avec plein de paramètres et en fait, il l'expose plein de fois pour qu'on ait un maximum de lumière accumulée sur le capteur pour cette même chose. Et donc, c'est une des techniques, hein. moi, je n'ai pas opéré Hubble. Hein. Mais voilà, et c'est comme ça qu'on a euh, plein de lumière qui s'accumule sur le capteur et qui, au fur et à mesure, forme des galaxies. Ah, ça, c'était très loin et tout ça. Et après, euh, bien sûr, il n'y a pas que, que de la lumière, hein. pour peut, peut avoir des ondes radio, des choses comme ça. Alors, Hubble, je ne sais plus dans quelle, quelle euh, mesure il peut traiter toutes ces infos-là, mais c'est lui qui a pris toutes ces photos. Ok. Et Merci. oui, c'est vrai ce que tu dis, Nicolas, sur le côté télescope. Euh, moi, moi j'avoue, j'avais un petit peu de mal à comprendre pourquoi on, pourquoi on, pourquoi on, on, on lit souvent la thématique de l'espace avec la thématique du temps, le, le, le truc de l'espace-temps. voilà, euh, à la fois l'espace, la géographie, le, le voilà, euh, le concret quoi. Et puis le temps, le truc de remonter dans le temps, d'avancer dans le temps et tout. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal. Et c'est vrai que ça m'a un peu aidé là quand, quand, quand il parle du télescope juste le télescope pour regarder les étoiles, et qui dit que c'est une machine à voyager dans le temps. Je me disais, mais non, c'est une machine à voyager dans l'espace, on va regarder des, des planètes, des, le Soleil, la Lune et tout. Et en fait, non, c'est vrai que c'est à, à partir du moment où on sait que les, des, des objets célestes hyper lointains sont, euh, sont, 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 sont à des années-lumière de nous, Et ben effectivement, quand, on, quand leur lumière nous parvient, et ben ces objets-là, ils ont ils sont déjà changé, voire ils sont morts, mmh. en fait. Bah et, ouais, euh, et je... C'est ce qu'il dit en fait. quand Il dit quand vous regardez la prochaine fois que vous regardez la lune, sachez que en fait la lumière de la lune, vous l'avez, vous, enfin vous la, quand vous regardez la lune, vous la verrez une seconde dans le passé, mmh. parce que la lumière ouais. de la lune nous parvient avec une seconde de délai. Et du coup, euh, pareil pour le soleil qui est encore plus loin. C'est à coup, 7, quand 7 vous 8 8 minutes. minutes c'est à, à 8 ouais, minutes. minutes. C'est-à-dire que et il dit en gros le concept de l'aube, par exemple le soleil qui se lève, et eh ben c'est un faux concept. Déjà parce que en fait, le soleil ne se lève pas, le soleil tourne, enfin la Terre tourne autour du soleil, donc du coup il n'y a, a pas de lever, de... Voilà, si, si on reprend les choses de, de manière beaucoup plus globale, il n'y a pas de lever et de coucher de soleil, parce que le soleil est toujours là, c'est juste la Terre qui fait une révolution autour. Et, euh, et surtout, euh, la lumière du soleil vous parvient 8 minutes avant, donc en fait l'aube, le soleil qui se lève, c'est un faux concept. Le soleil, il s'est déjà levé, en fait. Pour il y a longtemps, en fait. Il y a super longtemps. Mm. Et le moment où la lumière vous parvient, en fait, c'est 8 minutes plus tard que le moment où effectivement... Euh, l'alignement de, la de, de, de la planète par rapport au soleil fait que vous, vous, vous allez recevoir son, son halo, quoi. Et c'est ouais. assez impressionnant, je trouvais, ce truc de... Effective... Et j'arrivais ouais. mieux à comprendre pourquoi, effectivement, on parlait d'espace-temps, de, 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 de voyager dans le temps en même temps qu'on voyageait dans l'espace et tout. Je trouvais ça un peu plus concret avec cette image-là. Ouais. Juste pour une du petite coup... précision, Nico, je te, je, je te donne la parole juste après. Je viens de vérifier, et donc, euh, Hubble a été... Euh, a été... Maintenu en service et sera maintenu en service avec une rallonge jusqu'en 2021. Voilà. Je t'en file. Ah, euh, okay. Prolongation de, prolongation de ouais. CDD. Voilà. Euh, bravo. Parce que je trouve <laughs> bravo, que c'est le Précarité. Ben, c'est important. important quand même que. Important de que... Sécuriser, ouais. Évidemment. Ouais ouais ouais. Euh... J'espère qu'il aura son intermittence aussi jusque là quoi. <laughs> Mais euh, tu vois le truc aussi du coup qui est, qui est bugant par rapport à ce phénomène là, c'est que euh, bon là euh, 8 minutes et tout. Euh... Ok, mais un bah quelqu'un qui est sur une planète à 65 millions d'années-lumière de la nôtre, si mate notre planète, et eh ben il va voir genre un, un gros caillou s'écraser sur des gros lézards. C'est ouais, perturbant quand même. À peu hmm. près. Euh, des gros lézards, je ouais. sais pas, mais en tout cas des gros cailloux s'écraser, ouais. Des sûr. gros <laughs> lézards Comment ça Des dinosaures <laughs> Ah, ah, ah oui, ok. <laughs> Ok, je pensais que tu parlais du complot des reptiliens ou un truc hey, comme moi ça. moi aussi, en <laughs> train ah ouais, de même <laughs> Mais Oui, effectivement, il va y avoir des, des, des. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe Et. Oui. Ouais, et, et genre là, du coup, si le soleil explose, eh ben on le saura que. Enfin. 8 minutes après. Ouais, quand le soleil explosera, ouais. Après, euh, ah, oui, ça va prendre un moment, ça va prendre du, un moment euh, pour exploser. Mais... Oui, on, on a appris. encore un peu de temps, heureusement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est aussi ce qu'ils disent dans le dernier épisode d'ailleurs, quand ils parlent des deux euh, des deux satellites. Euh, alors, je sais pas, si c'est des satellites, mais c'est Voyager One et tout là. Oui, Voyager. C'est des, ouais. euh, des sondes en fait sons, que qu'on a envoyées dans l'espace pour, euh, pour, pour 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 capter des signaux lointains. Et en fait, c'est des sondes qui dérivent, du coup, maintenant dans l'espace et qui sont euh, chargées de messages, en fait, euh, de messages des terriens à une éventuelle civilisation euh, extraterrestre qu'on pourrait rencontrer. Et euh, du coup, il y a des petits symboles qui sont gravés, donc, euh, et il y a de la musique qui tourne en boucle, de la musique de, 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 issue de la planète Terre, en fait. Et mmh. c'est assez phasant de se dire que, effectivement, ces sondes-là vont, ont encore une durée de vie, je crois, de, de, de plusieurs, euh, plusieurs millions d'années, non Je ne sais pas. Enfin, Je crois qu'elles elles, elles dérivent et en fait elles continuent à dériver. De ah bah, toute façon elles vont continuer à dériver jusqu'à ce qu'elles cognent quelque chose ou qu'elles se fassent ouais, ça. Euh, et, et là, il y, y en a pour un moment parce qu'elles sont sorties du système solaire euh, proche, on va dire, donc toutes les planètes là. Et euh, donc elles ont dépassé les planètes, ce qui veut dire qu'elles vont commencer à rentrer dans l'espace le, inter-système, euh, inter inter, peut-être inter-sidéral il me semble. Et, et du coup... Là, c'est vide. Hein. Et là, c'est vide pendant un moment. Et c'est vide pendant euh, un paquet ouais, de générations mais... pour nous. Je ne je, je crois pas dire de bêtises en disant que, vu que dans l'espace, c'est le vide, il n'y a pas de frottement. Donc, en fait, quand un objet part en. Ouais. Euh, est projeté, genre une fusée, tout ça, ouais, en fait, elle s'arrête jamais jusqu'à temps que. Exactement. Qu est, qu est... Ouais, ouais, ça. Et ça, c'est bugant, ça, du coup, aussi. Et, et du coup, potentiellement, jamais. en fait, elle pourrait cogner quelque chose. Si, par exemple, on imagine qu'une civilisation extraterrestre soit arrivée à un niveau de technologie suffisant pour euh, capter la présence de, de, de ces satellites-là, enfin de ces, de ces deux euh, petits vaisseaux euh, Voyager, eh ben, ça se trouve, le temps qui, qui capte qui décrypte le signal et qui trouve l'origine de, de, de notre civilisation, ça se trouve, en fait, notre civilisation, ça morte déjà depuis, depuis des millions d'années. Des dizaines de mmh. millions d'années. Ouais. Ce qui est quand même assez dingue quand on y pense, non Bah ça servait à ouais. rien, quoi, surtout. <laughs> ouais, puis, euh, et puis, su c'est -ce une bonne idée et, aussi. On l'aura même pas fait découvrir la tectonique. Ouais. C'est ça le problème. <laughs> la tectonique des plaques Ah non, non. Euh... Non, l'autre. L'autre ah, Mais... Euh, okay. <laughs> Tu vois, euh, il y avait une. Attends, comment c'est euh, Je ne sais plus comment il s'appelle, ce que je viens d'y repenser. Mais il. Il prouve qu'en fait, c'est pas possible qu'il y ait d'autres euh, civilisations, en tout cas en même temps que nous. Ah oui, ok, je, je, je euh, me rappelle de ce paradoxe. Je me rappelle de ce truc. C'est ouais, une thèse, ouais. ouais. Enfin, une. Ouais, une, oui. ouais, ouais, après, est-ce que ça vaut ce que ça vaut, quoi, mais. Mais euh, que. Et puis, même, est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer. Euh, bon, de toute façon, on ne sera plus là pour voir, mais. Euh, d'envoyer euh, dans l'espace faire. Enfin, en gros, c'est coucou, on est là Je crois que c'est et... un geste qui est plus humain qu'autre chose. Ce n'est pas un geste qui est pour les autres, c'est un geste qui est pour nous. En disant, on, on envoie ce qu'on est à cette époque-là dans le cosmos, dans l'univers, pour laisser une trace de nous et, et dans, dans cette démarche de euh, possiblement. Euh, prendre contact, mais ça, ça n'arrivera peut-être jamais. Mais aussi se dire bon, on a envoyé ça, on a fait ça, et c'est très humain de vouloir parler, discuter, et communiquer, quoi. Et, et je rebondis sur ce que tu dis, Corentin, parce que il, il, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe quand, quand on regarde cette série là et tout. Euh, c'est que en fait, on a l'impression que, que la série est, est, est faite pour nous faire prendre conscience qu'on est infiniment petit, qu'on est des poussières d'étoiles, qu'on est vraiment qu'on est vraiment insignifiant et que notre vie n'a pas une importance euh, énorme à l'échelle de à l'échelle même de notre voie lactée ou, et, et a fortiori de l'univers. Donc il y a ce côté très euh, humilité en fait. Soyez humble parce que votre vie en gros c'est une toute petite fraction de poussière de merde dans l'espace et dans le temps. Et à côté de ça, il y a une espèce de folie des grandeurs de l'humain de vouloir toujours euh, marquer de son empreinte et comme tu dis laisser sa trace. Et, et... du coup je trouve que ça rentre un peu en contradiction euh, avec... Euh... Avec, avec ce truc, enfin le, le message il est double quoi. Il est à la fois prenez conscience de votre infinie petitesse et, et de votre insignifiance à l'échelle du cosmos et en même temps euh, euh, rêvez grand, rêvez toujours plus 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 haut et, euh, et, et essayez de dépasser votre condition de simples humains pour accéder à une forme d'éternité quoi. Ouais, ouais mais après moi je trouve que c'est un message qui est donc qui est paradoxal puisque ça, ça tire dans les deux sens mais qui est qui est assez sain si on le prend dans sa, dans sa forme la plus personnelle pour chacun, c'est à la fois, bon, bah calme-toi, calme, calme calme hein, tranquille, et puis d'un autre côté, bah reste, bah, bah... reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille, et d'un autre côté, bah, oui, tu peux faire des trucs, en fait. Même si reste tranquille, oui, tu peux faire des trucs. Voilà, c'était ma, ma thèse. Euh, <rire> <rire> voilà, Corentin Colin, 2020. Voilà, bah je pense reste que... Reste tranquille, je pense que... Mais tu peux faire des trucs. Voilà, moi je pense que j'ai mon doctorat. <laughs> d'ailleurs euh, sur ce concept là, dire, il y a le pour rebondir il y a le, le fameux, je pense qu'il faut qu'on en parle, le calendrier cosmique. Ah, alors ça c'est une des grandes trouvailles de la série, je trouve et d'ailleurs on le voit dès le premier épisode. Ah, je vois que Nico et a envie euh... de dire des trucs aussi. Je vous laisse les... Alors vas-y Nico vas-y. <laughs> tu veux réagir C'est que bon bah expliquons ce qu'est le Est -ce calendrier qu oui, là. Le, co le concept. Donc, en gros, l'univers, il a 13 enfin euh, quand on prend le point de départ de l'univers, le bing-bang, c'est il y a 13,5 milliards d'années, grosso modo, 14, je sais plus exactement. Non, 12. 14, 12. je crois que c'est 14 millions. 12. Bon, bref. Tu ça euh, en direct euh, milliards, milliards, pardon, milliards. Oui, mi ouais, milliards. Et du coup, il ramène, euh, pour que ça soit plus parlant, parce que euh, dire il y a 10 milliards d'années, euh, 5 millions, fin, nous c'est des ordres de grandeur euh, qu'on... Qu'on peut pas intégrer, c'est pas possible. Donc, du coup, pour que ça soit plus parlant, ils ont divisé euh, bah, 12 milliards d'années, on va dire à peu près, par 12 mois de l'année pour qu'on se rende un peu plus compte. 13,8 Voilà. Combien 13,8, on me 13, dit. Sur 8, 8. Peut dire. Donc, grosso modo, ça fait euh, 14 milliards. Un, milliard de... voilà. bon, ouais. bon, un peu plus d'un milliard euh, d'années le mois, mais ça veut dire que 1er janvier, euh, pouf, c'est le Bing Bang. Et en fait, nous, du coup, on arrive le 31 décembre de la même année. À minuit à minuit. Fait, à, à minuit, ouais, à minuit. Oui, à 23 h Attendez, j'ai marqué. Si, si effectivement le Big Bang, c'était le, le, le 1er janvier à minuit, euh, donc le début d'une année, euh, année normale telle qu'on les connaît, nous, euh, eh bien, l'être humain arriverait sur Terre le, 20, le 31 décembre de cette même année à 23h59 et 46 secondes c'est, ça c'est, et c'est même pas l'arrivée de l'être humain, c'est l'invention de l'écriture en fait. Donc euh, déjà ouais. l'humain avait, euh, avait déjà évolué depuis quelques, depuis quelques années quoi. Donc ça, en fait, ça, rend, ça, on se rend compte de notre. Ouais c'est ça en fait le, cette invention là le, cadre, le calendrier ça permet de, de se rendre compte des, des, des grandeurs, euh, des unités de grandeur. Euh, donc c'est très cool. Moi j'ai ai beaucoup aimé ce principe là aussi, mais par contre putain. Euh, euh, à chaque épisode où du coup il parlait de ça, fallait qu'il réexplique ce, qu était, ce que c'était. J'en pouvais plus, mais c'est bon, j'ai compris, j'ai vu le premier épisode. Alors, ça bon. pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est un des travers de la série, je trouve. Elle a été écrite et produite pour la télé américaine, et il y a par épisode 4 coupes euh, fondues au noir, notamment, qui sont faites en fait tout simplement pour les pubs de la télé américaine. C'est-à-dire que ah, okay. sur un épisode de 45, j'ai vérifié, c'est 45 minutes environ, tu as 4 coupes de pubs et pour y avoir été qui font entre 5 et 10 minutes à chaque fois pour 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 coller du, du commercial dedans donc effectivement c'est l'un des travers de, de cette série je trouve que du coup elle s'oblige et c'est ça s'explique par son contexte à réexpliquer des choses parfois parce qu'en fait euh, le public n'a pas forcément suivi ça sur un Disney ⁇ sur un Hulu, sur un Netflix mais euh, mat euh, à l'époque sur National Geographic et ce genre de chaîne là quoi et, et ça, je, je suis d'accord, et je, je veux rebondir, c'est le côté un petit peu pénible, je trouve, formellement dans la série, c'est que euh, les ficelles sont énormissimes, quoi. Enfin, voilà, il y a toujours des espèces de cliffhangers ultra fabriqués, ultra travaillés, avec des montées en son. Ça fait « tan 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 et puis Nidagras k qui fait « mais nous n'étions pas au bout de nos surprises ». Et là, t'as un gros fondu au noir et ça reprend trois secondes après et tout. Et ça, ça arrive genre quatre, 5 fois par épisode. Et c'est pour ça que je conseillerais aux gens qui ont envie de la mater de se préparer déjà... Euh, en fait, pour moi, la série, mais je vais utiliser la, 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 la comparaison d'un copain qui a, qui a vu quelques épisodes aussi, s'appelle Gaël, je lui rends cet hommage, euh, qui m'a dit Ouais, cette série, c'est un peu comme une choucroute. C'est super intéressant, c'est super nourrissant, mais putain, t'as la flemme <laughs> Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti, quoi. C'est vrai que c'est hyper nourrissant, hyper dense, mais pas très. mais un peu lourd, hein, très américain dans la réalisation, pas très sexy, euh, un peu répétitif. Euh, et, et surtout, euh, bah moi, ce que je conseille aux gens, c'est de pas la mater, pas la binger comme moi je l'ai fait en fait, parce que j'avoue que j'ai un peu enchaîné les épisodes parce que j'avais envie d'être dedans. Et parce que t'étais en retard. Non, alors, j'avais envie d'être dedans, d'accord Laisse-moi. <laughs> <laughs> ok, ouais, j'étais hyper à la bourre. Ça balance. Donc. Mais du coup, du coup, c'était pas une série qui ne se qui se binge, je trouve, parce que en fait, euh, sinon, c'est indigestion, quoi. Ouais, et après, moi, euh, ouais. bah, tu tu, tu passes euh, trois jours aux toilettes pour évacuer la choucroute. Quoi. <laughs> Voilà, j'ai filé la métaphore jusqu'au bout. Je pense qu'on peut arrêter <laughs> le podcast. Vrai, <laughs> voilà. Euh, bah D'ailleurs, tu, tu, on, on parlait, euh, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Nico, sur ce sur thème-là bah Moi, je vais changer. Euh, non. Ok. Bah, euh... si. Attends, ah, <laughs> excuse-moi. <laughs> Vas-y, je t'en prie. Une émission professionnelle. <laughs> ah, bah, tout est préparé. Vous verrez la gueule de mes notes. Vous verriez. Euh. Moi, il y a un truc aussi en plus qui m'a gêné par rapport à la série et, et je pense qu'il faut, euh, faut que le spectateur soit aussi... Euh... Qu'est-ce qu'il y a <laughs> Vas-y, j'ai repensé à la suite de propos de Damien et ça m'a <laughs> fait rire. Voilà. Je suis désolé, j'ai vraiment fait dérailler ce podcast. Pardon. <laughs> non, alors du coup, le, je trouve que le spectateur doit... Euh, être bon, attentif on l'a dit mais aussi euh, un peu critique dans le sens où tu vois euh, je trouve que dans la série il y a des choses qui sont dites mais mais euh, genre euh, moi là où ça m'a vraiment marqué c'est par rapport aux ondes radio alors je ne sais plus dans quel épisode c'est OK alors euh, je vais en... fact checker en même temps du coup vas-y OK donc euh il parle des ondes radio, alors je ne sais plus pour, pour quelle raison, mais à un moment donné, il explique que ça serait aussi potentiellement euh, le moyen euh, de rentrer en communication avec, euh, du coup, une civilisation euh, autre que la nôtre. Et, et d'un coup, là, ça part en steak, euh, genre, euh, ils ont mis euh, des, des bruitages, tu sais, de, de radio, et puis t'entends un truc Jean parler... Jean-Michel à la radio Non mais... <rire> 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 mais les gars, euh, ça n'existe peut-être pas, enfin... En fait, ouais, il, il... c'est pour ça. Tu servir... trouves qu'il y a trop de suppositions, c'est ça Il y a trop de suppositions, trop de suppositions ouais, dans la série. Mais qui il... sont pas assez dites en temps ouais. on, on suppose que. Justement, moi j'ai noté ça aussi, c'est que des fois il y a un futur qui est. Qui est... Attends, j'ai noté, c'était bien. Euh... Hypothétique Non, mais non, justement, ça donne pas l'impression que c'est hypothétique. C'est euh... ouais, ah, voilà, un futur trop informatif. Euh, on Alors plus tard, dans 50 millions d'années, euh, on, on, on aura su s'adapter ou bien on, on aura pu euh, partir euh, coloniser d'autres planètes. Euh, et là, il y a une fausse morale un peu chiante. Euh, du moment qu'on devient un petit peu plus gentil, euh, putain, euh, le mec, euh, <laughs> stop <'est> quoi. <laughs> non non, déjà, non mais euh... je, 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 je suis complètement d'accord avec toi, Nicolas. Il y a un côté un peu euh, bisounours. Mais je pense que c'est parce qu'il ne voulait américain. pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire plaquer de la morale et plaquer des valeurs et des principes euh, vraiment très ricains sur, sur, sur l'avenir de l'humanité, comme si en plus, de toute façon, avec une, une sorte de, de certaines proportions à vouloir faire de l'avenir de l'humanité. En fait, c'est l'avenir de l'Amérique, tu vois. Les mecs, ils confondent ouais. tout, quoi. Et d'ailleurs, la plupart des, des, des chercheurs. Euh, bon, après, je connais pas exactement l'histoire de l'astrophysique, la, mais il y a quand même un focus sur tous les chercheurs américains qui ont découvert des trucs euh, qui est quand même assez fort. Et euh, quand, quand ils disent l'humanité envoie des satellites à chaque fois, c'est un satellite avec un gros drapeau ricain avec marqué <laughs> USA en énorme, tu vois. <laughs> et là tu fais bah les gars, euh, mollo, quoi, il y en a marre de, de que vous confisquiez toujours l'avenir du monde en pensant que c'est le vôtre, euh, tu vois. Ouais, et ça c'est bah ça rejoint les, les travers de la série avec euh, notamment ces petites pauses commerciales pour les pubs, parce que mm. bah, c'est fait pour la télé à la base à la télé américaine quoi. Et c'est vrai qu'on. Et d'ailleurs de... c'est produit par un mec qui s'appelle Seth McFarlane, qui est le producteur de. Euh, de Ted, de, de American Dad, enfin de gros, de, 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 de je crois de, euh, excusez-moi, euh, euh, oui de, de, de donc le mec il a fait Hellboy, Ted, Albert à Al l'Ouest, les Griffins, American Dad, donc on sent aussi qu'il y a la patte de ce truc de de vraiment créer un produit commercial fort avec, euh, et qui va devenir un, enfin de vouloir faire un, suc un succès populaire. D'ailleurs je sais pas si la série a marché au moment où elle est sortie. Euh, elle a plutôt bien fonctionné, elle a été diffusée sur 10 chaînes en même temps, euh, ah ou en parallèle assez proche, tu vois, je l'ai là, je suis diffusé simultanément sur 10 chaînes, donc euh, c'est 21 Century Fox, on a euh, La Fox, euh, FX, enfin plein d'autres euh, trucs de La Fox, National Geographic, Nat Geo, Fox Life, tu vois, donc c'est pour ça qu aussi que le format est assez carré et, et américain, parce que bah, en fait il fallait que ça plaise à, à l'Audimat, quoi. Et c'est vrai que la deuxième saison euh, a un peu moins ce... Cette patte-là, je trouve aussi, alors je ne sais pas pour quelle chaîne elle a été produite, et, et si elle n'a pas été produite directement pour les services de, de, de vidéo à la parce que c'est vrai qu'en 2014, on n'est pas encore à fond, à fond dans le Netflix et tout ça, et, et la télé aux États-Unis a encore beaucoup de pouvoir, donc ça, ça influence beaucoup. C'est vrai que ça euh... se sent un petit peu cette patte télévisuelle et pas du tout Internet, en fait, même si... Euh... Ils en parlent et tout euh, un petit peu de, de, de l'internet, mais on sent que c'est un format très télé et je trouve qu'il est un tout petit peu daté euh, aujourd'hui. Oui, complètement. complètement. Mais pour revenir juste au sujet scientifique que tu abordais, Nico, donc on a effectivement des fois des, des, des futurs qui sont imaginés et qui sont plus ou moins bien euh, signalés comme étant imaginés. Je, effectivement je te le concède et, euh, Par contre il y a quelque chose dans la série qui, dont il parle Il nous montre un, un moment un trou noir En disant ça, ressemble à, ça devrait ressembler à ça Et tout ça Mais en fait depuis 2014 on a eu la première photo d'un trou noir Et euh, je trouve que c'est assez intéressant euh, Si vous regardez la série D'aller en parallèle de faire pause Et aller regarder à quoi ça ressemble vraiment Alors c'est euh, une photo qui a été prise euh, Grâce à un télescope Enfin un ensemble de huit télescopes Qui s'appelle Event Horizon il me semble Ouais Event non, pas Event Horizon, ça c'est l'événement ben e des horizons ça. dans le trou noir. Mais euh, le... en gros, c'est un, un, un complexe de huit télescopes qui ont été pointés vers le même, vers le même point dans le ciel pendant quatre euh, jours d'exposition, il me semble. Et ce n'est pas l'exposition photon classique à la lumière, c'est des ondes radio, en fait, qui ont été interprétées. Qui, qui, qui sont émises par le trou noir, parce que par définition, un trou noir n'émet pas de lumière. Et donc on a ce, cette photo du trou noir qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on nous présente et ce qui est présenté par tout ce qui est dérivé de la théorie d'Einstein de, et compagnie. C'est vraiment super ressemblant et c'est un des points où on peut appuyer en disant, ok, si les mecs font pas n'importe quoi avec les règles qui sont déjà établies et euh, les modifier au fur et à mesure qu'ils qui se rendent compte des erreurs, on a quand même des trucs de prédiction qui sont assez incroyables. quoi. Je veux dire, le, le savoir genre, y a vraiment global de tout ce qu'on sait, là, c'est impossible, en tout cas concernant l'espace. Euh, c'est impossible qu'il y ait une personne qui, qui ait intégré tout ça, tu vois. Genre, c'est tellement, euh, tellement ouais. fou. Euh... C'est pour Mais ça qu'ils ont des spécialités de, mmh. de recherche. Mais je, 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 me, je me permets aussi de... de vous proposer aussi de regarder euh, en, en parallèle, euh, euh, c'est super intéressant, c'est les cours d'Aurélien barreau parce que bon, le gars, c'est un spécialiste aussi. Hein. Or, je sais plus dans quoi. <laughs> D'ailleurs, quand il se présente, ça me fait taper une barre, parce que le mec, il est spécialiste dans des trucs vraiment assez ouf. De cosmologie, Mais, euh, il me de... semble, non Ouais, cosmologie mais oui, c'est la que. cosmologie il est aussi euh... et de la philosophie aussi fait et la philosophie et justement c'est super intéressant parce que contrairement à la série euh, qu'on qu étudie là aurélien Barrau du coup euh... oui, ça' aurélien barreau il va te parler du bas du, bah, du cosmos tout ça mais avec cette approche philosophique qui est super intéressante et c'est super chouette euh, du coup à entendre en plus il a une super diction je trouve c'est moi je bois ses paroles donc je vous conseille de, de regarder ses cours euh, sur euh, youtube en plus c'est quelqu'un qui est très investi là, en ce moment euh, et tu vas en parler tout à l'heure mais parce que euh, il est à fond dans l'écologie euh, par rapport à malheureusement la sixième euh, extinction de masse euh, qu'on bah, va, euh, dessus après. Qu on va et connaître et tu vas pouvoir revenir mais je me permets juste de dire aussi que euh, par rapport aux ondes radio, j'y tiens, hein, c'est un truc de ouf. Euh, Il y donc, y a aux les ondes radio. ondes radio, les infrarouges, les ultraviolets, tout ça. Et en fait, Aurélien Barrault explique que nous, euh, vu qu'on est né sur Terre, etc., nous, euh, nos yeux, ils sont, euh, ils sont programmés, je ne sais pas comment. Adaptés adapté justement à ça quoi. Mais il a dit, il dit par exemple si vos yeux avaient en plus la faculté de d'absorber de, enfin de, de recevoir les... les ondes radio par exemple. Bah là pour le coup on verrait euh, on Parce verrait au début euh... des temps. voilà. <laughs> Donc on regarderait le ciel et ça serait en fait c'est pas concevable. Ça qui est ouf. L'espace, ça, ça, ça serait qu comme se quand ton. tu prends des champis, mais genre en grosse, grosse quantité. Quoi. Ah, Damien nous, nous parle de ses week-ends. C'est intéressant ça. Alors, ouais. <rire> pas <rire> du tout, pas du tout. J'ai jamais fait en plus Tu C'est ce, ce genre de. T'auras le droit d'en prendre dans ton vaisseau la spatial. Tu <laughs> mais oui, complètement. Tu... En fait, il... je, crois... Alors, je, sais... je crois que c'est dans Cosmos hein, qu'on a une scène avec ce, ce ciel qui change d'apparence en fonction de, des rayons qu'on peut capter avec euh, nos yeux et qu'on ne pourrait pas capter. Oui, si temps, on captait les rayons gamma, les rayons x, la radioactivité... De, euh, en fait, on aurait un ciel ouais. qui s'illumine la nuit en fait, complètement euh, de, de, de mille feux parce qu'on on verrait plein de <coughs> choses qu'on qu manque et que vous voyez sur les photos de, de l'univers qu'on peut voir sur Internet, dans les magazines et tout ça. Nicolas, tu nous parlais de, de la sixième extinction qui nous guette, hein, je crois que tout le monde est au courant. <laughs> enfin, bah, on peut peut-être peut peut euh, re redire vite fait... Euh... Ce que c'est en fait euh, la sixième extinction. Euh, J'y viens, on... ça serait une, une nouvelle extinction euh, des espèces, une extinction massive qu'on aurait euh, en grande partie provoquée nous, <rire> voilà, <rire> euh, avec le réchauffement climatique, euh, la pollution et, et, et tout, ce, tout ce tintouin hein, qu'on connaît tous bien parce que l'huile de on, palme. On en entend parler souvent et heureusement. Mais sur Terre, du coup, c'est la sixième. Il y a déjà eu cinq extinctions de masse et on en parle, on nous le mentionne rapidement dans le, dans le documentaire. Alors, je voulais vous en parler un petit peu. Euh, Ces cinq extinctions de masse, il, il nous en détaille à peine une ou deux. Moi, j'ai été voir. Enfin, euh, j'en avais déjà quelques-unes en tête et puis j'ai été me renseigner un petit peu. J'ai regardé un, un, un docu qui est disponible sur YouTube aussi, euh, qui est assez intéressant. C'est Arte, il me semble. Si vous tapez extinction de masse euh, sur YouTube, vous pouvez le retrouver. Ça dure une cinquantaine de minutes. Et je vais vous poser quelques questions. Alors, il y a 5. Cinq... Ah, on fait le jeu des 5 extinctions Il y a 5 extinctions. Bien. Et il y a quatre euh, grosses euh, causes euh, qui, 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 qui viennent provoquer ces extinctions. Alors, on a la, une période glaciaire, des éruptions volcaniques massives, un astéroïde, et euh, une anoxie des océans, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans les océans. À votre avis, donc il y a cinq extinctions. À votre avis, quelles sont les raisons de chaque extinction la, Laquelle est en double, par exemple Laquelle est en double Est-ce que dans quel ordre vous me mettez les extinctions Est-ce que ça commence par une période glaciaire, puis du volcanique Est-ce que ça fait de l'astéroïde, puis euh, d'une période <laughs> glaciaire Il y en a cinq, Alors, en partant de la euh, plus vieille. Moi, je pense que la plus vieille, c'est euh, le truc des océans. Je sais plus comment t'as appelé. Une anoxie des océans. Ok, je ouais. note pour Nico. Et toi, pour toi, Damien, la plus vieille. Euh, moi, je dirais, euh, je dirais la période glaciaire d'abord. Et bien, c'est Damien qui gagne, puisqu'effectivement, la, la plus vieille, donc c'est la période, c'est l'extinction qui, qui vient terminer la période ordovicienne, ordovicien en anglais, il me semble. Euh, donc, qui est une période glaciaire. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, donc je vais reprendre mes notes pour ne pas vous raconter du grand n'importe quoi. <laughs> Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la température, ça se, 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 se baisse rapidement et on a une période glaciaire qui est très intense plutôt courte, mais très intense et qui va euh, baisser le, le niveau de, des océans. D'un coup, enfin d'un coup, on se comprend hein, sur l'échelle de, de, de ces centaines de millions d'années, <laughs> euh, mais en quelques centaines d'années, on perd 75% des, des espèces et à ce moment-là, la vie, elle est présente que dans les océans. On n'a on a rien sur les terres, tout est présent que dans les océans, donc on, on, on a une extinction de masse de 75% des, des espèces dans les océans et l'animal un peu totem, j'en ai un pour chaque, c'est le trilobite qui est... Alors je, vais vous... je vous envoie un lien sur notre conversation, euh, les gars, et je vais vous mettre une image euh, si vous regardez euh, en version vidéo, sinon on va vous le décrire. Donc ce, ce, ce petit animal, il est un peu étrange, puisqu'il ressemble, euh, en, 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 on dirait, un mélange entre un scarabée avec des côtes euh, extérieures apparentes. Enfin, c'est une espèce d'insecte à coquille, à carapace. Ah, c'est étonnant. Voilà. Ça rappelle un petit peu le quand il est replié, quand il est fossilisé, ça rappelle un petit peu les scarabées de... de la momie un peu. Exactement, voilà. Et, et ce, ce genre d'animaux de, 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 qui sont les, pro... en fait, il le dit à un moment d'ailleurs dans Cosmos. Si on avait été sur Terre à cette période-là, donc il y a, il me semble quelque chose comme il y a 40... 445 millions d'années, on aurait cru que la planète était la planète des trilobites. Parce que c'est une espèce qui, qui qui est dans le fond des océans, qui qui se nourrit dans le fond des océans, qui marche dans le fond des océans. Ils sont énormément, énormément. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors la deuxième extinction, à votre avis, quelle est la cause Est-ce que c'est d'une période glaciaire, du volcanique, un astéroïde ou une anoxie des océans Alors je me permets <laughs> juste aussi euh, un, un truc. Euh, il me semble hein, que c'est cyclique hein, les les périodes glaciaires. Complètement. On va en parler millions. après, justement. J'ai okay, un petit pardon. sujet dessus. Pas de souci. Moi, je dirais, euh... Euh, je dirais période volcanique après. Volcanique, et toi, dame... et toi Nico Attends, t'as dit quoi Période glaciaire, astéroïde, volcan Soit et glaciaire, a... volcan, astéroïde, ou euh, plus d'oxygène dans les océans. Ouais, plus d'oxygène dans les... dans les océans. Et ben, bah, c'est Nico qui gagne, puisque c'est la période Dévonien Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les plantes commencent à pousser sur le, le territoire euh, hors. Euh... Hors eau, quoi, sur l'extérieur et sur toute la surface de la Terre, hors les océans. Et elle forcément, elle consomme du CO2 et rejette de l'oxygène. D'oxygène. Voilà. La photosynthèse. Et, et donc, la, la prolifération des plantes, plus euh, et un changement aussi de, de, de climat à ce moment-là, fait que, sur tout l'écosystème, on manque d'oxygène dans les océans. Et, euh, et encore une fois, les. Les espèces, euh, les espèces prennent cher pour le coup <laughs> les, les, les trilobites ont encore réussi à, à survivre là, là dessus mais euh, on a une, une autre extinction massive des océans et alors là l'animal totem je vous l'ai envoyé juste avant c'est euh, la période des poissons le dévonien donc on a les premiers poissons qui arrivent et l'animal euh, un peu euh, qu'on nous présente dans ce documentaire que j'ai regardé c'est une énorme, un énorme poisson qui ressemble un petit peu à un requin, mais qui n'a pas de dents parce que les dents n'existent pas encore. C'est <coughs> la mâchoire qui est utilisée pour, euh, pour chasser. Donc, c'est une mâchoire qui vient écraser ses proies parce que les dents n'existent pas encore. Voilà, donc je vous envoie Professeur le Corentin, là. je vais passer euh... à la plus grosse extinction <laughs> euh, massive qu'on ait eu Vas-y, Nico. Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais euh, quand tu dis euh, extinction massive, est-ce que c'est toutes les espèces qui meurent ou il euh, y en a quand même quelques-unes qui. Enfin, dans le sens où, tu sais, il y en a eu cinq du coup, oui. à chaque fois, la vie reprenait de zéro ou non Du coup, la vie a toujours été là, mais. Euh... Alors, la vie a toujours été là, mais elle a repris. Tu vois, la première fois, on perd 70 à 75% des espèces totales. La deuxième fois, 75%. Et la troisième que je vous présentais, on perd 95% des espèces. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a plein de lignes d'évolution qui meurent complètement. Et on repart de zéro pour toutes ces lignes-là et on repart d'autre chose, quoi. Et on réévolue surtout à, par rapport des... à partir des survivants. On n'a vraiment pas ouais. failli être là. Hein. Ah ouais, complètement. Bah vous allez voir. On a failli perdre... On ne serait même pas là pour en parler, pour le coup. Alors, la période du Permien, l'extinction du Permien, pardon, c'est la plus grosse extinction qu'on ait eue. C'est 95% des espèces qui meurent. Et là, la cause, c'est... Ah. Mmh. J'ai encore oublié les propositions... Euh... Volcanique, glaciaire, anoxie des océans ou euh, astéroïde. Ah, volcan, volcan, volcan. Ouais, volcan, je dirais ça. Vous avez tous les deux raison. C'est ouais. en fait une énorme euh, chaîne, euh, enchaînement de... de un énorme enchaînement de... d'éruptions volcaniques. Euh, on l'appelle la mer de toutes les extinctions. Elle se serait que de 200 000... sur 200 000 ans ou plus, même... Possiblement sur un ou plusieurs millions d'années. Et là, euh, finalement, les trilobites qui avaient survécu les deux premières extinctions crèvent, ils meurent, puisqu'on perd 95% de la vie euh, sur la Terre et dans les mers. Et donc, on, on a tous ces, tous ces poissons osseux qui vont réussir à, à survivre. Et l'animal un peu totem de, ce, de, cette, de cette période, c'est un dimétrodon que je vous envoie et qui ressemble à un gros iguane avec une énorme. Euh, une énorme euh... surface sur le dos, en fait, euh, un énorme aileron, euh, comme on pourrait imaginer un, di un dinosaure qui lui permettait de réguler sa température. Et justement, on arrive au premier dinosaure dans la période d'après, le Trias. Parce qu'en fait, les dinosaures, il y, y a plein de catégories, mais il y a deux périodes. Quand ils arrivent au, au dans la période du Trias, c'est des tout petits dinosaures qui ressemblent au, euh, aux dinosaures qu'on présente dans les films comme des, euh, comme des petits joueurs, voilà sur deux pattes qui courent vite. Et, euh, et ces dinosaures-là, euh, ils, ils apparaissent dans cette, euh, dans cette période. Et donc, on, on a cette extinction, puisque c'est encore du volcanique, puisque le, à l'époque, c'est un énorme continent qui se sépare. Et là, l'Europe le, se sépare de l'Afrique. Et ça provoque plein d'éruptions euh, volcaniques. Et donc, on a des, 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 des torrents de lave qui se déversent et plein de dioxyde qui, qui provoque un réchauffement des climatiques, climatiques, Et encore une fois, dans les océans, on perd 70% de la vie. Finalement, la plus connue, la dernière, qui est causée par... Un astéroïde. Un astéroïde. Donc, c'est une théorie qui était qui arrive dans les années 80. Tout le monde se disait c'est c'est du bidon. Et finalement, on a trouvé les preuves pour la, pour la prouver. Donc, ça, c'est l'extinction du Crétacé. Et c'est ce qui a tué les dinosaures et ce qui nous a permis de vivre, Nicolas, justement, parce que c'est nos ancêtres, les mammifères, qui sont... L'une des seules espèces, euh, catégorie d'espèces, à avoir survécu, parce qu'ils étaient assez petits, ils pouvaient se nourrir de choses qui restaient. Parce que toutes les grosses espèces, jusque-là, on a des espèces Et puis ils étaient, étaient sous énormes, terre, en fait. Complètement. Ils vivaient sous terre, vivaient... c'était les rongeurs, les choses comme ça, qui du coup avaient peur de sortir parce qu'ils parce qu se faisaient bouffer par les dinosaures. Et du coup, avec la mort des dinosaures, ils ont passé le nez dehors, ils se sont dit, tiens, ça a l'air safe, en fait. Et du coup, ils sont sortis, ils ont commencé à monter cool. aux arbres. Et, la... et après, c'est nous. Et la, la, la particularité de cette extinction c'est qu'elle est assez rapide. Toutes les autres, elles ont pris euh, plusieurs euh, milliers, centaines de milliers, voire millions d'années. Et celle-ci, euh, elle a été quand même assez rapide, si on en croit les infos qu'on qu peut trouver un peu partout. C'est cet impact, déjà, si on en, il me semble, l'Amérique du Nord, si on est en Amérique, en tout cas, l'impact prend directement, vous s'occupe de vous, vous êtes, euh, êtes décédé si vous êtes dans le rayon, et le rayon est assez large. Et derrière, dans les heures qui suivent, bah, en fait... L'atmosphère se, se devient hyper euh, dense, ça provoque euh, l'atmosphère se réchauffe, ça provoque plein de feux. Et même si vous avez survécu tout ça, dans les mois qui suivent, vous êtes probablement éteint parce qu'il n'y a plus rien à manger, donc vous passez pas le premier hiver. Voilà, voilà un petit résumé des cinq euh, grosses extinctions qu'on a eu, et il faudra faire attention, bien entendu, comme dirait Monsieur, euh, Monsieur Tyson, à ne pas provoquer la sixième. <laughs> <oui>, C'est <laughs> clair. <rire> bah, de toute façon, euh, d'ailleurs, ouais, du coup, ouais. pardon. Euh, non, non, vas-y, vas-y, Nicolas. Ouais, ok. Euh, si jamais ça arrive, c'est bon. Ou l'effondrement, on en on parlait. Euh, je sais où aller finalement. J'ai ah, des plans. J'ai des plans. Euh, on en parle dans la série. Je vais euh, sur une île norvégienne. Euh, pas dans laquelle. On, euh, sur laquelle, pour, pardon. Pour les top modèles. Ouais. <laughs> non, non, pour des <laughs> graines manger des graines parce qu'en gros euh, et on en parle dans la série il euh, y a ce qu'on appelle enfin il y en a plein hein, mais euh, des banques de ah, je sais plus comment ça s'appelle le nom exact mais euh, un entrepôt dans lequel on stocke euh, une immensité de variétés de graines pour euh, les limites euh, de toutes les espèces connues pour que <laughs> si jamais il y a une merde euh, comme comme euh, comme ce qui risque d'arriver d'ailleurs on pourra euh, Survivre. On pourra du coup avoir encore accès à, à, à toutes ces espèces végétales. Et donc, du coup, celle dont on, par, dont on parle dans la série, elle est sur une île norvégienne. Euh, voilà. Ok, donc et petit donc, flashback je... de il y a deux épisodes, il me semble. Donc, bah, on, va, on, va non, ouvrir on, un, on va ouvrir bon. un chat là. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient, si euh, vous voulez vous cotiser pour euh, un aller simple pour l'île norvégienne avec Nicolas. Voilà. Ce sera possible. Euh... Alors, par ouais, contre, ouais, je euh, pense que c'est très bien. Il va falloir vivre ensemble. <laughs> ça va ouais, Et avec Nicolas, ce qui... Et ce qui est plus, plus compliqué. Quand même. Enfin... Bah, vous venez pas avec moi, les gars. C'est pas qu'on veut pas vivre avec toi, c'est que bah, tu vois, là, on est bien à distance, par exemple. <laughs> ça ça <va. rire> on pourra continuer à faire des podcasts, t'inquiète. Ah, cool. Non, mais en tout cas, je trouve ça, je trouve ça assez cool. Et c'est vrai que dans le, dans la, dans la fin de la, de la saison, de la première saison qu'on a regardé, il y a une, euh, je trouve qu'il y a un, un accent qui est mis vachement sur le côté euh, euh, un peu écolo euh, de, de, bah, de, de, ce que nos, les découvertes en astrophysique euh, peuvent nous apporter en fait. Euh, et notamment, il euh, mmh. y, y a un épisode où vraiment, c'est clairement anti, enfin, euh, c'est en fait. Et on sait que d'ailleurs, les États-Unis sont quand même un un foyer de l'anti... Enfin, euh, du, du climato-scepticisme. Et de la euh, Terre plate. Et de la Terre plate aussi, ouais, avec le créationnisme et tout qui revient, tout ça. Et c'est vrai que je trouvais ça... Enfin, je trouvais ça intéressant de la part de, de la série de s'engager, en fait, et vraiment de mettre l'accent sur le côté... Euh, ben bah non, en fait, euh, le réchauffement de la planète, euh, l'explosion le, le, des, de, des taux de dioxyde de carbone, de CO2 dans l'atmosphère, c'est pas des conneries, c'est prouvé. Et surtout, c'est prouvé que c'est notre faute et que c'est à nous d'y remédier, quoi. Et ça, c'était en 2014 que... encore et c'était en 2014 qui, pour le coup, bon, on avait déjà pris conscience un peu partout quand même, mais, mais, mais c'était. Depuis, il y a eu encore un retour en fait, du, du scepticisme sur ces questions-là. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir un petit, une petite piqûre de rappel euh, où, justement, euh, Nick de Grass-Tyson, euh, je trouve en plus, il y a un épisode vraiment où il reprend tous les arguments des climato-sceptiques un par un quasiment et il les débunk tous. Quoi. Donc, euh, je ne sais plus, il dit. Euh, oui, mais euh, s'il euh, si y a effectivement un réchauffement de la planète, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prévoir la météo Et pourquoi est-ce que, par exemple, cet hiver était particulièrement froid, et moi, il n'a jamais fait aussi froid que chez mes grands-parents ce week-end, ce, ce week et du coup, euh, tu vois, et du coup, c'est intéressant parce qu'il dit, il dit, attention, il ne faut pas confondre météo et climat, dans le sens où la météo, c'est euh, l'expression un peu chaotique de, euh, de, de, de bah, du climat, en fait, au jour le jour. Heure, minute par minute, heure par heure, jour par jour, alors que le climat, c'est au contraire un mouvement global qu'on peut étudier parce que on a des instruments qui nous permettent de revenir dans le temps suffisamment loin pour voir des grandes tendances se dégager. Et euh, c'est rigolo parce qu'il explique cette séquence-là et je trouvais la séquence assez bien foutue. Euh, il explique cette séquence-là. Il est euh, sur une plage avec son chien en laisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a son chien du coup qui est un peu foufou et qui et qui euh, fait des zigzags en fait toujours autour de lui et lui, il marche droit sur la plage. Et il dit, bah, vous voyez, en fait, euh, la météo et le climat, c'est un petit peu comme l'image de moi et de mon chien sur cette plage. Moi, j'avance droit, moi, je représente le climat, c'est-à-dire que j'ai une tendance globale, je vais vers une direction. Et mon chien, lui, il se barre à droite à gauche, mais il est toujours tenu en l'aise, donc il ne peut pas se barrer trop, trop loin de moi. Et donc le chien fait des zigzags, il représente, lui, la météo, c'est-à-dire euh, les, les changements euh, météorologiques au jour le jour, euh, d'année en année, de saison en saison. Et moi je représente le climat. Donc on va tous les deux dans le même sens, mais si vous voulez vous fier à une, à une, à une direction précise et pas vous perdre dans les, dans les détails et, et, et tirer des mauvaises conclusions, il faut bien regarder le chemin que moi je trace et pas celui que le chien trace. Et je trouve ça assez intéressant en fait comme, comme, comme image, je trouvais ça clair pour faire la distinction entre météo et climat. Complètement, et en plus tu en parlais Nicolas tout à l'heure, on a, on, a, on a plein d'outils qui nous permettent de voir loin dans le temps, dans le passé. Et notamment de tous les, les airs glaciaires qu'on a eues, en fait. De... Nicolas t'en parlait et tu voulais en parler aussi. Mais puisque en ce moment, on est dans une ère glaciaire, normalement. On est dans une période. Euh... Un... Vas-y, Nicolas. Non, non je ne sais plus ça. Je me rappelle qu'effectivement, c'est cyclique. C'est normal. Enfin, tous les 10 000 ans, je crois que c'est ça. Hein. Tous les 8 000, 10 000 ans, euh, le pouf, air glaciaire, quoi. Et là, on est dans une. En fait, on est juste dans une période interglaciaire. Qui, est donc, qui fait partie d'un âge, âge de, de glace, hein, comme, comme, comme le film. <laughs> Mais euh, effectivement, ça, ça, c'est cyclique. Et tous les 100 000 ans en, en, environ, euh, dans les derniers cycles, euh, c'est la longueur d'un cycle. Donc, on a 80 000-90 000 ans de, euh, de, 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 de création de glace et de refroidissement. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe <laughs> Nicolas fait des mimiques, pour ceux qui nous, qui nous écoutent il fait le clown Nicolas tu vas aller en au coin je je le bébé. Hein tu vas aller au coin non mais ça va, ça va donc ça va. tous les 80-90 000 ans on a euh, donc la, 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 la terre qui se refroidit et la glace qui prend plus en plus d'espace et ce genre de choses là et ensuite pour euh, une période de 10 à euh, 20 000 ans on, la terre se réchauffe, la glace fond et en fait c'est la période dans laquelle on est ça fait euh, environ 11 700 ans que le dernier H de glace, la dernière ère glaciaire, euh, dans le sens froid-froid euh, et vraiment de la glace qui recouvre sur des kilomètres de haut euh, l'Amérique du Nord et tout ça, c'est terminé. Et nous, on est dans une période interglaciaire qui euh, dure depuis 11 700 années, 11 1600 ans. Donc, on devrait logiquement rentrer bientôt dans une ère glaciaire. Ce qui ne sera sûrement pas le cas. Sauf que à cause du, du réchauffement climatique et c'est aussi un argument des climatosceptiques qui sont oui mais de toute façon on va rentrer dans une ère glaciaire et puis de du coup ça nous permet de pas de pas se taper de pas se les miche pendant euh, 90 000 ans. Oui mais non hein, globalement c'est nous en fait on maîtrise pas les dégâts qu'on fait et effectivement ces ères glaciaires c'est des cycles mais je trouve ça assez intéressant de, de, de se dire qu'en fait on devrait re-rentrer là dans une dans une ère comme dans l'âge de glace quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça, ça, re, ça recoupe un autre, un autre, une autre thématique abordée dans la série et, et qui dépasse un peu l'astrophysique parce que on se dit « bon, c'est une série sur le cosmos, sur l'infini grand, gros, petit, grand, tout ça » tout ça c'est pas très concret euh, ça nous sert pas vraiment dans la vie de tous les jours euh, c'est loin de moi au quotidien en fait tout ces, toutes ces thématiques mais en fait pas tant que ça parce que euh, il parle dans la série d'un personnage euh, réel euh, qui est hyper intéressant et qui gagnerait à être connu c'est euh, Claire Patterson je sais pas si vous vous souvenez ouais, de ouais. cette euh, de ce, euh, ce 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 lanceur d'alerte en fait qui était euh, qui était géologue, je crois. Euh, euh, ou, géo, ou euh, géochimiste. Chemiste, donc, euh, ch chimiste. Euh, géochimiste. géochimiste. Oui, c'est ça, ouais. géochimiste. Et en fait, Claire Patterson, c'est qui eh ben, C'est quelqu'un qui a été. En... C'est un scientifique qui a été embauché au début euh, pour euh, réussir à comprendre, à, à calculer l'âge de la Terre. Parce qu'il était spécialiste du plomb et du, de la datation du plomb. Et du coup, euh, comme on savait que euh, pour connaître l'âge de la Terre, on avait besoin de dater l'uranium et le plomb. Eh ben, il a été euh, embauché dans cette optique-là. Euh, il va finir par y arriver d'ailleurs, à, à, à dater le plomb. Alors pour ça, il va, faire, euh, il va, il va, il va se mettre dans des conditions, euh, dans des chambres blanches, euh, complètement, pour que, en fait, comme, comme il y a du plomb partout, euh, et qu'on est tous porteurs de plomb, et que le plomb est utilisé en masse dans énormément de, de, de matériaux euh, pour les constructions d'objets euh, des, des civilisations humaines, eh ben, il va réussir à, à se construire une petite, euh, petite alcôve euh, 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 complètement. Euh, Vierge, euh, blanche. Vierge, c'est ça, ouais, neutraliser de, de toute la pollution au plomb pour pouvoir trouver. Il va finalement arriver à la conclusion que la Terre euh, a 4,5 milliards d'années. C'est l'âge de notre, de notre monde en fait. Euh, mais il va pas s'arrêter là parce qu'il va se rendre compte que le plomb est partout et ça va lui donner une idée. Il va se dire mais comment ça se fait qu'il y a autant de plomb? Euh, et en fait, euh, il, va, il va, commencer à, à regarder partout où il y a du plomb. Donc, il va en capter dans l'atmosphère, dans les objets, sur les gens, dans les océans. Il va se rendre compte, par exemple, qu'il y a énormément de plomb dans les eaux peu profondes, mais que y a très, très, la concentration en plomb est très minime dans les eaux profondes qu'on n'a pas touché, qu'on qu n'a jamais touché, et qui sont là depuis des, des, des millions d'années. Du coup, il va partir en Antarctique, il va, il va, il va forer dans les glaces de l'Antarctique pour essayer euh, d'aller de, de plus en plus dans le passé de, de, de la planète Terre pour voir si effectivement le taux de plomb est si important que ça dans les âges qui nous ont précédés. Et il va se rendre compte que non, effectivement, les, les, les neiges qui viennent de tomber sont ultra chargées en plomb, mais que dans les, dans les, les neiges les plus profondes qui sont là depuis des millions d'années, il n'y a quasi rien en concentration de plomb. Ça va lui mettre la, la puce à l'oreille et il va se rendre compte que dans l'essence à cette époque-là, parce qu'on là, on est dans les années euh, 40-50, euh, l'essence, en fait, est euh, faite avec du plomb. Et que du coup, toutes les bagnoles rejettent dans l'atmosphère des quantités énormes de plomb qui contribuent à faire augmenter dia drastiquement les, les, les taux de plomb et donc de CO2 dans l'atmosphère et dans les objets et sur les gens. Et du coup, il va partir en croisade un peu contre le lobby euh, de l'essence euh, avec du plomb, donc General Motors et tous les géants américains, qui en plus se trouvent être ceux qui finance ses recherches, donc il va finalement se mettre à dos toute la communauté euh, bah, scientifique et puis euh, et puis économique. Euh, mais finalement, euh, l'histoire lui donnera raison puisque en, en alors je crois que c'est dans les années 70 que le plomb va être banni aux États-Unis de l'essence. Et du coup, bah, c'est le fameux sans plomb que vous mettez dans votre dans votre voiture aujourd'hui pour éviter justement que euh, que, que que ces euh, rejets de gaz carbonique euh, contribue à, à augmenter le, le, le réchauffement climatique. Bon, clairement, euh, on n'est pas sur la bonne voie. Il y a encore énormément de, il y a beaucoup trop de rejets de dioxyde de carbone aujourd'hui. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant de voir que euh, ce qui était au début de l'astrophysique, et un gars qui cherchait des trucs super abstraits sur l'âge de la terre, euh, le cosmos, l'univers et tout, en fait, est devenu un lanceur d'alerte qui nous a euh, drastiquement fait changer notre manière de vivre et qui a porté le doigt sur un problème qui pourrait être la cause de notre euh, de l'extinction de notre civilisation en fait. Et il, il démontre, alors moi j'ai quelques, quelques faits là pour t'appuyer justement, euh, il, a, il a notamment étudié des squelettes péruviens qui avaient 1600 ans, donc des vieux vieux monsieur et dame, euh, je pense que euh, voilà, il, il, avait, il avait étudié ces squelettes de 1600 ans, il a démontré pas que le, le facteur de plomb, donc le plomb dans les squelettes, s'était multiplié de 700 à 1200 fois par rapport euh, aux squelettes humains modernes. C'est-à-dire qu'on a 700 à 1200 fois plus de plomb dans nos corps et à l'époque euh, il a trouvé ça, mais il a fallu en 1978 plus de preuves et plus de recherches pour confirmer. Selon euh, pour le Conseil des recherches euh, nationales de la recherche aux États-Unis, il leur a présenté tout ça et ils ont dit euh, alors avant de prendre des décisions, euh, on aurait besoin de plus de recherches pour confirmer tout ça et les, les derniers, les dernières opinions et les dernières euh, mesures qu'il avait préconisées ont été adoptées en 2010. C'est ah quand même, qui est, est, super est tard. C'est dingue. Et c'est ça qui est fou aussi, je trouve. C'est ce qu'on voit bien dans la série, je trouve. C'est que la science, c'est un combat, quoi. Et les gens qui ont eu des intuitions qui se sont révélées être vraies, ils se sont battus pour leurs idées et ils ont jamais, ils ont toujours défendu leur bout de gras, même quand euh, toute la communauté scientifique et ils sont, enfin, ils sont passés pour des, ils ont été complètement euh, bannis, ostracisés, euh, euh, mis au banc de la société. Et en fait, euh, enfin, je trouve que c'est une leçon de, de combativité aussi, euh, certains portraits qu'on nous dresse dans la, dans la série, ah, là, de, vrai, de ouais. gens qui n'ont rien lâché. Quoi. Justement, peut-être ouais, qu'on ouais. peut en parler. On a parlé beaucoup du côté euh, réalisation et du côté scientifique, mais la série, elle nous présente aussi pas mal de, de grands scientifiques euh, ou philosophes de, 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 de toute notre histoire humaine qui ont fait avancer la science et notamment la science euh, de l'astrophysique. Et donc on nous présente ça sous forme d'animation et de... Oui, d'animation, et de retour en dessin animé à une époque, et c'est entrecoupé entre les, les phases de recherche et d'explication scientifique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nicolas, de, de ces trucs-là Est-ce que ça t'a plu ou est-ce que ça t'a perdu Ces, ces phases de ah justement euh, Oui, euh, déjà, euh, les dessins, je les ai trouvés très, très beaux. Euh, ça rajoutait une certaine dimension, ça permettait de digérer peut-être un peu plus le contenu de chaque épisode qui est quand même assez lourd et, euh, et c'était super intéressant, euh, effectivement. Euh, bon, je l'ai dit tout à l'heure, moi il y a des épisodes que j'aimais beaucoup, d'autres pas du tout, mais c'est vrai que, euh, que en général, c'était ces phases-là qui me donnaient. Euh, vraiment l'engouement pour euh, l'épisode moi j'ai beaucoup aimé avec euh, Ivanov du coup qui est c'était sur l'épisode sur les gènes qui est parti à travers le monde euh, euh, pour euh, pour récupérer le maximum de graines de différentes variétés et en même temps il revient donc c'est un russe il revient euh, en même temps euh, il revient euh, bah, Stalingrad je crois que c'est Stalingrad euh, mais bon il y a il y a ce monsieur moustachu euh, qui vient d'Allemagne euh, qui, qui arrive aux portes de la ville et tout et c'est super bien euh, c'est super bien euh, compté, quoi, parce que t'es à fond dedans. Euh, donc, euh, bon, je, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc euh, on parle aussi de, de Staline qui, qui euh, est manipulé par un des collègues d'Ivanov. De, de, et enfin, euh, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment c'est euh... reprendre l'histoire et la fictionner en, en animation ouais. pour. Euh... Par, par contre, du coup, euh, notamment cet épisode-là, euh, c'était euh, dans l'épisode, la... bah, euh, ils expliquaient que ils avaient l'air de dire que euh, Staline s'en foutait complètement de, de ce stock de, de différentes graines ramassées par Ivanov, tandis que Hitler, lui, euh, justement, euh, avait Potentiellement pour objectif de, de récupérer ces graines-là, tu vois. Et, et ça, j'ai voulu vérifier si c'était vrai, tu vois, historique et tout. Mais j'ai pas, j'ai pas chopé d'infos. Mais alors, est-ce que c'est fabulé euh, Est-ce que c'est vraiment fictionné au point où voilà, il s'arrange avec la réalité ou est-ce que effectivement tout est vrai En tout cas, il y a une bonne partie de, de vrai. Et puis c'est vrai que ça donne à voir euh, des faits euh, historiques et euh, trop cool, quoi. Donc il y a Ivanov, mais il bon. y en a plein d'autres, quoi. Moi je vous avoue que je me souviens pas du tout de cet épisode mais c'est dans la saison 2 ça non Mais non mais c'est marrant parce que des fois vous parlez d'épisodes et pareil ils me disent rien du tout Je crois que Nicolas a regardé la saison 2 Ah ouais d'accord Ok t'as dû regarder la saison 2 Nico Non non je regardais la première Tu te souviens de cet épisode Ça me dit rien c'est pour Sur Hitler et enfin Staline et Ivanov Space Odyssey Ça doit être le 4 Épisode 4 alors je, je regarde en direct <laughs> pour le coup. Euh, Tyson, l'épisode 4 c'est Skyfall of Ghost. Donc il nous, il nous explique que la lumière est, émane de, 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 des, 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 des étoiles y a des milliards d'années. <laughs> Et non en fait, Attends. on parle d'Herschel dans le de William Herschel dans l'épisode 4. Alors, je vais regarder Cosmos Possible Worlds qui est la saison 2. Oui, ce que j'allais dire. Je crois c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis sur un site là qui me montre que ouais, c'est Cosmos Possible Worlds euh, c'est oui, Nicolas et Vavilov Travel Tu as regarder la <laughs> saison 2 Nicolas Waouh. OK. <laughs> OK. Ce qui se passe est absolument inédit. Donc, après, <laughs> on une vient heure de parler pendant de à peu près 1h20 sur des sujets qu'on qu n'a pas tous vus. <laughs> <C 'est... rire> je, suis... je suis désolé. <laughs> on vous a prévenu qu'elle était fatiguée, mais alors celle-là, a... wow. on ne l'avait jamais faite encore. <laughs> wow. mais alors, où ça c'est ouf. Je, comp je comprends pas parce que le premier épisode. Euh, justement, où il parle du, du calendrier cosmique. Mais il en parle aussi dans la saison 2, il réintroduit le concept en fait. <laughs> bah oui, ils il en parlent tout le temps donc. Euh... Ah ok Bon <laughs> oh bah voilà, ce est qui est c'est que du coup ça prouve le point que ça part quand même un peu dans tous les sens et qu'on bah ouais. <laughs> qu parle plein de, <laughs> de que... sujets euh, différents à chaque épisode quoi. Mais c'est vrai que cette partie, pour revenir à l'animation, en fait, elle nous explique, elle nous, elle nous fait un peu voyager dans le temps à la façon de, bah de Fred et Jamy à l'époque dans leurs épisodes de, spéciaux de, de C'est pas sorcier aussi. Et on, on, on nous expose plein de, plein de faits scientifiques et historiques et on nous les... Ouais, c'est et ça a le mérite, je trouve, de, de, de personnali... personnifier un petit peu les gens dont on parle, parce qu'on va parler de Newton, de Michael Faraday, de Edison, tout ça. Et de, et, de, et de rendre ça un petit peu poétique aussi, parce que les dessins sont jolis, je suis d'accord avec vous, et ils sont assez immersifs, c'est bien foutu. Et il euh, et y a un truc aussi que je voulais dire par rapport, au, par rapport aux, aux scientifiques qui sont, qui, qui sont évoqués, c'est que bon, on voit quand même que ça reste une... L'astrophysique, ça reste une histoire d'hommes, quoi. Il y a énormément d'hommes qui ont fait l'histoire, dont le nom est resté dans les mémoires et tout. Mais je trouve que la série fait un petit effort, déjà en 2014, c'est intéressant. Pour, pour réintroduire des, 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 euh, des figures féminines qui ont vraiment été importantes aussi dans les découvertes euh, d'astrophysique. On parle notamment de, euh, de, de une fille qui s'appelle Annie Jump Cannon, qui a catalogué 250 000 étoiles dans toute sa vie et euh, à qui on attribue la création de la classification de Harvard, qui est la première tentative de classification de, des étoiles en fonction de leur température et de leur euh, type spectro. Tu fais bien d'expliquer euh, parce que ça ne dit rien à Nicolas du coup. Oui, du coup voilà, Nicolas sache-le. <laughs> et, et donc cette femme était, euh, était, euh, était hyper importante en fait, et l'histoire l'a quasiment euh, occultée euh, au profit de, 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 la, de la personne pour qui elle bossait, qui était le célèbre astronome Edward Pickering, Pickering, qui bossait à Harvard lui aussi. Et, euh, et c'est une femme qui était suffragette en plus, donc qui était vraiment euh, membre du parti pour le droit de vote pour les femmes en fait aux États-Unis. Euh, donc voilà, et, on, et en fait je trouve que la série, elle, elle le fait plusieurs fois. Il y a aussi, elle, elle cite aussi Henrietta Swan Leavitt, qui est le, le, la découvreuse de la loi pour mesurer la distance entre les étoiles, qui bossait aussi dans l'équipe de, de, de Pickering. Et encore, je peux, je peux, je peux citer aussi Cecilia Payne, qui, était la pre, qui a été la première femme nommée chef du département d'astronomie de Harvard en 1956, et qui est connue pour avoir été euh, la, une des premières astronomes à envisager que les étoiles étaient composées majoritairement d'hydrogène. Et, euh, et donc elle l'a mis dans sa thèse. Quand elle a envoyé sa thèse, sa thèse a été euh, balayée d'un revers de main en disant ouais, « c'est complètement farfelu machin », et aussi parce que c'était une femme. Et finalement, euh, elle a, elle a, en fait, plusieurs années plus tard, on, plusieurs astronomes ont fait la même découverte qu'elle, ah, et euh, heureusement ont <laughs> été assez, euh, assez honnêtes. Et sincère pour lui rendre des honneurs et lui dire que elle l'avait trouvé avant tout le monde. Et ah, elle-même, cool, qui avait, en fait, lors de sa thèse, quand elle avait reçu euh, une volée de bois vert de la part de tous les autres scientifiques, elle avait mis une petite phrase en disant Alors j'ai découvert ça, mais peut-être que c'est pas vrai, en fait, machin. <laughs> en fait, elle avait reculé un petit peu, euh, parce qu'elle avait peur de, de, de perdre sa carrière. Et finalement. À la fin, quand elle a été ré réhabilitée, en fait, comme la découvreuse de, ce, de, de, cette, de, de, de cette loi, elle a rajouté dans sa thèse euh, J'ai reculé devant d'autorité quand je pensais avoir raison. Si vous êtes sûr des faits, défendez votre position. Ce qui est aussi, je trouve, une belle. un peu une leçon aussi de dire que bah, quand vous êtes sûr d'un truc, quand vous êtes sûr des faits, quand vous avez bossé, quand vous êtes. Voilà, soyez sûr de vous parce que parfois l'histoire vous rendra justice. Voilà. Comme ça peut arriver pour, pour cette femme. Comme fin, Nicolas qui était sûr d'avoir vu la série, quoi. D'ailleurs, justement, mais mais... l'histoire te rendra justice, Nicolas. Non, mais... Putain, me la gueule. Surtout que je pense que tu vois j'ai regardé les deux les deux saisons, quoi. Enfin, pas tous les épisodes, du coup, mais euh, j'ai pu voir les deux. Et du coup, est-ce que ça vous parle celui-là, un épisode où euh, euh, ah, j'ai oublié son nom. Quoi C'est Qu -ce que... un épisode où Yoda, il va sur Dagoba et il retrouve. Euh, vous retrouvez Luke. Vous retrouvez. Vous voyez. <laughs> Nicolas il nous fait du cross-frontière dans tout tu sais. <laughs> Alors du coup je trouvais pas ça très scientifique c'est vrai que des fois il partait dans bah des ouais. délires quoi la force, tout ça et sabre laser, je sais pas si c'est ça. Existait vraiment bon. Et pourquoi Julien Le Père s'il arrive comme ça pour poser des questions aux gens <laughs> en plein milieu Dans le vaisseau de l'imagination, ok mais quand même Ouais. On <laughs> <laughs> pas pousser Ouais, ouais mais vois. surtout que... Euh, je me demande du coup si les deux vaisseaux... Enfin, si dans les deux saisons, le vaisseau c'est le même. Oui, oui c'est le même. Ah, ah c'est le, ouais. okay. le même. Plus... Okay. Et pour, pour, le Et euh... coup, pour reprendre non. juste ton message, Damien, euh, euh, effectivement, il y a même. Euh, ils nous l'illustrent, il donc euh, ils euh, il il mettent un point d'honneur à illustrer les, les femmes aussi scientifiques. Mais ce message du si vous êtes sûr de vous, allez-y, euh, il est aussi dans tout, tout ce qu'on nous expose avec Galilée, avec euh, Copernic, mm. avec toutes les les, les Mais je combats tous les vous combats vu, contre hein. l'église et la religion Newton ouais les gars moi j'ai vu ça aussi hein. ça, ça me perturbe <laughs> <laughs> j'ai l'impression <laughs> que, que ce podcast c'est genre une voiture dans une route et il y a Nico derrière en trottinette qui fait attendez moi aussi j'ai vu ça moi aussi j'ai vu ça vous <laughs> à la station service non <laughs> Est-ce que vous avez vu l'épisode du coup où il y a. Ah, je sais plus comment il s'appelle. La deuxième lune de Saturne et qu'il a appelé Saturne 2. La Ah non, ça c'est dans la saison 2 ça. Ah oui, non je Ah, ok. Bah alors je parle de ça parce que. Les lunes de Saturne c'est de Galilée, mais. Non, de Jupiter, pardon. Non, ouais, bah c'est de Saturne. Il a trouvé une lune à Saturne. Mais c'était il y a longtemps, tu vois. Alors je crois que c'est sa fille. Ou alors, sa, ouais, ça doit être sa fille, euh, ou sa sœur, je ne sais plus, qui était aussi scientifique. <laughs> Jean-Michel à peu près, quoi. Jean-Michel Goodenough. David Goodenough. C'était peut-être sa fille, ou son fils. Je ne sais plus si c'était un homme. <laughs> ou sa belle-mère, enfin. C'est la famille, quoi. À moins que ce soit. Euh... Non, mais... Un animal. C'était peut-être euh, un panda, en fait. Mais donc, du coup, ce que je veux dire... Vas-y, Nico. Parle-nous. De toute façon, les auditeurs mais, mais... qui nous écoutent maintenant, ils sont là euh, plus pour la discussion que pour les faits, j'ai l'impression. <laughs> <laughs> bah, vaut mieux, hein, parce que... Et, euh, et en fait, elle était scientifique, elle aussi. Elle euh, faisait des, des expériences, des recherches, etc. Et quand elle publiait dans un journal, et bah, malheureusement, bah, c'était à l'époque, je ne peux plus vous dire... Hein, euh, L'année... Mais euh, du coup. Ça nous, ça nous aurait étonné. On hein. <laughs> a ni le nom, ni l'année, ni la saison <laughs> On récapitule. En il y a quelqu'un qui a trouvé quelqu'un qui un jour a fait quelque chose. <laughs> Mais non Mais non Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, euh, quand les femmes étaient scientifiques, par exemple. Quand les et... femmes étaient scientifiques quoi, bah, Là, en l'occurrence, bah, <laughs> c'est une femme. Elle est scientifique. Ok. Mais c'est à l'époque où tu sais, a... c'est plutôt le patriarcat, a priori. Enfin, ça l'est toujours. Ouais, fais mais gaffe, parce que dire, là, on... tu vas te faire taper dessus, alors ouais, on va t'entendre dessus. Mais non Ce que je veux dire, c'est que du coup, elle était obligée d'écrire de... De... sous le nom de son frère. Ok, d'accord, oui. Et j'en parlais, puisque vous parliez de la place des femmes mmh. dans Mais ça, c'était dans... il y a longtemps, dans les <rire> sciences. <rire> oui, c'est. <laughs> ouais, ouais. <rire> euh... <rire> Je dirais au pifomètre, d'après les dessins que j'ai vus, 1800, à peu près. <laughs> alors, je, je vais peut-être okay. juste fact-checker ça rapidement. Tu m'as dit que c'était la découverte de la deuxième lune de Saturne, c'est ça ou, ou, ou de la première, je sais plus. Ah, <laughs> <D 'une rire> lune... Bah, si, c'est Saturne 2 qui l'a appelée. Donc, du coup, euh, ça doit être la première lune de Saturne. Ok, alors, première lune de Saturne découverte. Ont été furent découvertes par l'observation directe à l'aide du télescope optique. Euh, ah, c'est Wiggins. C'est Titan qui a été découvert en 1655 par Wiggins. Christian Wiggins qui a donné son nom à plein de. Plein de T'as dit comment Pardon euh, Quelle année, Mi quelle année 1655. 1600 okay. Pas du tout 1800 pour le coup. Non. <rire> non. <rire> Bref, on aborde plein de, <laughs> de sujets, que ce soit historique <laughs> ou scientifique. Ou euh, Star Trek, Star Wars euh, et tout ce qui a trait à l'espace euh, pour Nicolas, <laughs> qui s'est apparemment perdu <laughs> sur Disney. <laughs> mais mais, mais moi, je, où je voulais, je voulais rapidement peut-être en venir, c'est est-ce que vous avez des, des choses à mettre en rapport avec cette série euh, Des choses à nous conseiller en ouverture aussi euh, derrière pour compléter ou qui seraient plus dans, dans votre vue personnelle du de, de cosmos et de l'espace bah Nico, peut-être tu veux re reprendre un petit peu sur les cours d'Aurélien peut-être Ouais, bah, mais pas que du coup. Euh, bah effectivement, ouais. si vous voulez euh, euh, compléter un petit peu le, le contenu de, de la série Cosmos, je trouve c'est super intéressant d'écouter les cours d'Aurélien Barrault euh, sur YouTube. Et euh, en plus, c'est des cours où euh, il s'adresse à des gens qui n'ont pas comme. Euh, euh, c'est des étudiants, hein, mais qui n'ont pas. Qui sont pas dans. C'est un cours de découverte, quoi. Donc, du coup, il, il fait attention à ce qu'il dit, il essaye de vulgariser, c'est un bien grand mot, parce qu'il reste quand même très, très scientifique. Mais, mais euh, ouais, quand, il... quand tu connais pas grand chose, c'est quand même. Euh accessible et en même temps il y a ce, cet aspect euh, philosophique qui est super intéressant parce que oui, il te permet de voir les choses aussi autrement parce que quand on parle des sciences notamment aussi des, des autres planètes toi, on, on a l'impression que c'est un truc hyper dur quoi enfin et, euh, et rajouter de la philo dedans je trouve ça ça permet de voir les choses autrement et c'est super intéressant je me proposerai aussi un <laughs> Oh là, c'est rigolo. On va reprendre. Euh, vous vous rappelez quand on, on négociait un ticket pour l'espace dans un vaisseau spatial Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je crois. Et je suis tombé sur un documentaire euh, d'une heure et demie. Enfin, un documentaire. Du coup, je. Ouais, un documentaire euh, d'une heure et demie. <laughs> d'une heure et demie, Ou du coup, le gars. Et ça s'appelle, c'est sur euh, YouTube, ça s'appelle euh, Aux confins de l'univers, je crois. Oh, ça me dit et un truc. en gros, le, bah, le, le principe, c'est qu'il euh, n'y a qu'une voix off, il n'y a pas de personnage, c'est toi. Il dit Je viens te chercher, on va monter dans le vaisseau et on va euh, on va visiter bah, euh, tout l'univers. Donc, du coup, on fait le, le système solaire, on va un peu plus loin, on va voir des trous noirs, des pulsars. Euh, et en fait, c'est hyper. Euh, c'est marrant parce que tu as vraiment l'impression d'être, euh, de vivre une aventure. Mmh. Contrairement à. Il est disponible sur YouTube effectivement en entier euh, pour ceux qui ouais. veulent. Après, du coup, euh, je sais pas de quelle année il est, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont. des, des, des faits qui. Euh, ont évolué. Qui... Ouais, voilà. Alors, mais euh, c'est marrant, que... marrant parce que. Vas-y, je t'en prie. C'est marrant parce qu'il y a quand même. Euh ouais on a l'impression vraiment d'être euh, bon, j'exagère en disant qu'on a l'impression d'être dans un vaisseau mais euh, voilà on, on part pour une aventure d'une heure et demie qui est super euh, super intéressante parce que du et coup c'est pas mal d'images euh, euh, comment euh, de synthèse quoi des effets spéciaux euh, donc peut-être aussi que les astres sont fabulés etc c'est pas forcément euh, mais c'est bien mis en scène quoi c'est par exemple je sais plus sur quelle lune de, de jupiter mais c'est euh, mais il y a beaucoup de tonnerre et tout et c'est c'est la, vo la ce voix bar. de française de Bruce Willis qui euh, narre euh, le documentaire, pour le coup. T'es sérieux Ah oui Ouais, <laughs> c'est ça. Et alors, euh, moi, j'encouragerais je, les gens, c'est un documentaire de 2009, et j'encouragerais les gens pour visiter leur système solaire, rien que ça, de bien sûr regarder dehors, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas trop de lumière, mais aussi si vous n'avez pas la chance d'habiter dans un endroit avec un ciel clair, d'aller faire un tour au, au centre scientifique, à l'espace science de votre ville ou l'espace le plus proche, et d'aller à l'observatoire s'il y en a un, ou au planétarium, ce qui est beaucoup plus accessible pour beaucoup, et d'aller voir, d'explorer votre univers dans un planétarium, rien que ça, c'est génial. Ça vous donne un, un sens de, de la grandeur des choses et, et ça vous donne aussi l'envie d'aller être un peu plus curieux et peut-être lever les yeux vers le ciel le soir, quoi. Oui, bon, il y, y a une petite, euh, c'est un autre, euh, c'est un autre format, mais il euh, y a une BD qui est sortie, euh, qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. C'est euh, une BD qui a été, euh, qui a été, euh, c'est un livre de Marion Montaigne, euh, qui est sorti en 2017 et Très bien. Euh, en gros, c'est un album de bande dessinée illustré et scénarisé par Marion Montaigne, euh, basé sur les travaux de Thomas Pesquet, qui est euh, qui est donc le, le, un peu l'astronaute star en ce Cocorico. moment euh, français. Oui, complètement. Euh, qui est parti sur la station euh, spatiale internationale et qui lui-même est, est un très très bon euh, vulgarisateur, entre guillemets, en tout cas un très bon communicant mmh. sur toutes les activités qu'il fait. Et à chaque fois qu'il s'exprime, c'est toujours très clair, très limpide. Donc euh, voilà, ça c'est peut être aussi une bonne lecture euh, pour ceux qui veulent pousser un peu euh, l'expérience euh, un peu plus loin. Et pour, alors, moi en livre, je vais vous re recommander un livre qui est un peu plus, euh, du coup, poussé pour ceux qui veulent qui connaissent déjà pas mal de choses, qui sont passionnés de tout ça, vous pouvez aller chercher le livre du coup de M. monsieur Tyson, Neil de grâce Tyson, l'un de ses livres qui a pas du tout le même ton que la série pour le coup parce qu'elle est moins il est quand même moins contraint par ses, cette production très américaine pour la télé américaine et qui s'appelle donc euh, Astrophysics for People in a Hurry, c'est-à-dire l'astrophysique pour les les gens pressés et il vous explique euh, les principes de l'astrophysique et là vraiment de l'astrophysique donc, tout, tout, ce tout, ce, tout ce dont on parle, pas bah juste, oh, il y a, euh, y a euh, des, des, des anneaux sur Saturne, et Saturne a 72 ou 85 lunes, je ne sais plus combien ils sont en ce moment, mais pas juste ça, aussi, qu'est-ce qui régit tous tout, tout, tout ces astres-là et, et les règles de la physique, mais qui vous. d'une façon qu'on peut comprendre, qu'on peut, qu peut avoir dans l'esprit sans avoir fait des études scientifiques d'années et d'années. Et je trouve que ces livres sont assez bien écrits, c'est un petit bouquin de peut-être 150 pages. Et si vous êtes passionné par tout ça, je vous le conseille. Il, il vous explique plein de principes et vous en sortirez en vous disant, tiens, bah, maintenant je peux parler d'astrophysique mal, mais je peux en parler. Quoi. <laughs> voilà, là-dessus. Ça marche. <coughs> bah, merci si... les gars, en tout cas pour ce, euh... cet épisode. et bah, je... Ah, pardon, Nicolas. Il lève <laughs> ouais, la main. Euh, je... <laughs> S'il vous plaît. Non, euh, je conseillerais aussi. Enfin, je, je, je souhaite voir euh, le spectacle d'Alexandre Astier, euh, l'exoconférence. Oui. Parce que. Donc, Tout je la fait. recommande parce que je fais confiance à, à, à ce génie. Mais euh, je n'ai pas vu, mais euh, je pense que ça vaut le coup. Très, plus, très bien. Quelqu C'est quelqu'un aussi qui a fait euh, énormément de recherches. Il s'est rapproché du coup de, de scientifiques pour justement pas dire de la merde. Mais euh, être quand même dans l'humour. Et ça a l'air d'être euh, très drôle. J'ai vu, euh, je crois qu'il passait dimanche. Euh, euh, à la télé, mais j'ai vu un extrait, il a partagé ça sur Facebook, où du coup c'est euh, voyager à la vitesse de la lumière. C'est très très bien, moi j'ai ai beaucoup aimé l'exoconférence d'Alexandre Astier Je regarde actuellement pour vous dire où est-ce qu'elle sera disponible sur Internet. Euh, déjà sur Sixplay, qui est la, le replay de M6, vous pouvez voir, faut euh, y avoir accès pour, je crois, un 99, quelque chose comme ça. Et euh, il me semble que l'exoconférence doit être accessible sur YouTube, alors peut-être de façon euh, officielle, ou peut-être pas. Je ne sais plus. En tout cas, vous pouvez la trouver sur internet en payant pas très cher ou peut-être quelque part au, au fin fond de l'Internet euh, en gratuit. Mais si vous pouvez la voir, voyez-la parce que c'est vraiment top, c'est drôle et euh, ça donne envie d'aller voir, euh, d'aller en apprendre plus sur l'espace. Ok, cool. Super. Messieurs. Et eh ben en tout cas, messieurs, merci. Euh, Corentin, merci pour la découverte. Euh, parce que tu vois, je serais pas allé spontanément vers cette série là et j'ai dû m'accrocher. Clairement, ça n'a pas été facile à tous les épisodes, je l'avoue, mais je suis très content de l'avoir vu. J'ai quand même appris plein plein de trucs donc euh, merci pour cette découverte. Et dans le prochain épisode, du coup, Damien, on se retrouve sur quelle, euh, quelle série tu nous proposais juste avant Et bien, euh, je vous proposais la série The Mandalorian qui est une série euh, tirée de l'univers Star Wars. Euh, vous me direz ce que vous en pensez mais est-ce que, est que ça vous branche déjà bah, je crois que Nico a déjà vu la saison 1 mais euh, entrecoupé avec euh, <laughs> avec alors Osmos. par contre on essaiera de vraiment se caler sur la saison avant <laughs> pour être sûr de parler de la même chose Putain, moi ça botte je complètement suis... je l'ai vu donc j'ai hâte d'en parler mais moi c'est marrant que tu proposes ça maintenant parce que euh, j'ai mon coloc euh, vu que là la saison 2 est sortie euh, qui me dit ouais euh, j'ai envie de la mater est-ce qu'on la mate ensemble N'ayant pas vu la première saison, euh, euh, je vais du coup euh, me, euh, me dépêcher pour regarder la première saison et sûrement la deuxième, donc on pourra parler des deux. Et <laughs> eh ben ce sera l'occasion de pas. ressortir mon bébé Yoda en peluche. Voilà. Super. <laughs> place mon ouais. produit. <laughs> Merci. Bon, Merci, Salut messieurs. Et à la prochaine. Et, euh, Merci à, ouais, prochaine. Merci cool. à tous.